Bonjour et bienvenue à cet atelier pour les enseignants du français qui est présenté par la Maison française de Columbia et le département de français en partenariat avec le Metropolitan Chapter of the American Association of Teachers of French. Je suis Jenny Peer, la directrice de la Maison française et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. J'allais dire que c'est dommage de ne pas pouvoir vous accueillir directement à la Maison française, mais comme il neige, on aurait dû annuler à cause de la neige si on n'avait pas prévu comme ça en virtuel. Donc finalement, ça tombe très bien cette année. Et je voulais faire enfin, parler de quelques questions logistiques et puis je vais passer la parole ensuite à Paul et Duke et à Pascal Hubert-Libler. Donc, je vous invite d'abord, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions à tout moment dans le chat et on va garder 5 minutes à la fin de chaque présentation pour poser des questions aux intervenants. C'est Polly qui va jouer le rôle de modératrice, qui va donc transmettre vos questions, mais vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. En plus, on enregistre les présentations aujourd'hui, donc vous pourriez les voir par la suite sur notre site web de la Maison française. Et nous avons l'intention aussi de partager avec vous les présentations des intervenants. Certains vont les partager aujourd'hui directement dans le chat, mais par la suite, on va tout rassembler, mettre dans un seul endroit, sur un Google Drive, où on va trouver la meilleure solution. Et on partagera avec tous ceux et celles qui sont inscrits par la suite. Donc, vous pourrez avoir accès aux présentations. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais maintenant passer la parole à Paul et Duke qui va parler de choses plus substantielles. Pas du tout, mais merci beaucoup, Chani, comme toujours, de votre accueil si chaleureux. Et bonjour, chers professeurs et membres de l'AETF. Quelle chance de pouvoir participer à cet atelier virtuel en dépit d'une tempête de neige. Les présentations des maîtres de conférences de Columbia nous enrichissent tous les ans. Et je suis encore plus reconnaissante de leur inspiration après 2 ans de notre nouvelle réalité pandémique. Avant de passer la parole à Pascal Hubert-Libler, je voudrais vous signaler encore comment vous, les participants, vous allez pouvoir poser des questions. Chaque intervenant va parler pendant 25 minutes, suivi de 5 minutes de discussion. Donc, pour que ce soit vraiment intéressant et enrichissant pour vous, je vous prie de poser des questions, de bien écouter et de vous engager dans la discussion après. Mais ce sera par le chat, comme Chani a déjà dit. Pour faire un petit peu de répétition avant, est-ce que vous pourriez mettre maintenant dans le chat l'état ou le pays d'où vous venez? Comme ça, on aura une idée de nos participants. Allez-y, allez-y, allez-y. Mettez votre état, mettez votre pays là d'où vous venez. Et puis la deuxième question que j'aurais à vous poser, si vous ne recevez pas les emails de la part de notre chapitre métropolitain de l'AETF, est-ce que vous pourriez mettre votre courriel dans le chat? Parce que nous avons beaucoup de programmes et si aujourd'hui vous intéresse, je suis sûre que d'autres programmes aussi vous intéresseraient. Donc par exemple, on aura une discussion le 3 mars qui sera menée par Heidi Holtz-Knudsen qui est ici parmi nous aujourd'hui. Elle est également de Columbia et elle mènera une discussion sur le film Le Havre. Donc, ce sera jeudi soir le 3 mars à 19h. Et ce sera la deuxième discussion d'une série de 3 films qui traitent de l'immigration. Et la première discussion a été menée par Dr. Jasmine Narcisse, et ça a été sur le film Welcome au mois de novembre. Et puis, on aura une troisième discussion au mois d'avril, et qui portera sur le film Incendie. C'est un film québécois. Et donc, c'est recommandé de regarder le film
avant notre discussion. Et donc, on a déjà vu Welcome. Si vous voulez bien regarder ce film et puis Le Havre et puis assister à notre discussion le 3 mars et encore le 28 avril, ce serait très, très intéressant de vous avoir parmi nous. Et si tout cela vous intéresse et vous ne recevez pas les emails de la part de notre chapitre, je vous prie de mettre votre courriel dans le chat maintenant parce que nous allons pouvoir par la suite vous envoyer des mots. OK? Bon. En plus, on aura notre colloque en collaboration avec NYU le 26 mars. Et donc, ça, c'est aussi une grande journée pour notre chapitre. Et on a commencé ça il y a 4 ou 5 ans, je crois. Donc, entre Columbia, NYU, cette série sur les films, on a pas mal à faire cette année et j'aimerais beaucoup vous revoir pendant ces soirées. En plus, j'espère qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir créer une sorte d'esprit d'union parce que malgré cette distance physique, c'est possible d'avoir une sorte de communauté en virtuel, comme on sait très bien après 2 ans, mais c'est encore plus possible si on allume nos écrans. Donc, je vous prie d'allumer vos écrans et puis, encore une fois, d'écouter bien ce que ces profs géniaux ont à dire et d'essayer d'engager dans la discussion après, en posant des questions, etc. Bon, enfin, merci infiniment à nos 6 conférenciers, à Shani Pierre, à Fanny Gueux de la Maison française de Columbia, à Hubert Liebler aussi et à Heidi Hoskenutzen du département de français. Et maintenant, donc, je passe la parole à Pascal Hubert-Liebler. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à tous. Je vais être très brève puisque tout ce qui est important a déjà été dit d'un point de vue technique et aussi le message de l'AETF. Alors, nous sommes ravis de vous voir revenir. Donc, c'est moi, je vous accueille au nom du département de français, qui est la 3e branche donc, de cet arbre qui continue à donner tous les ans. Alors, j'ai l'impression que c'est le 20e colloque que nous organisons. C'est le 20e pour moi et il me semble que j'étais là au premier. Donc, c'est vraiment quelque chose à célébrer. Encore une fois, quelque chose, le malheur est bon, il neige. Autrement, si nous étions en présentiel, nous ne pourrions pas nous retrouver tous ensemble aujourd'hui. Donc, le virtuel a quand même du bon. Alors, le programme d'aujourd'hui est proposé par des lecteurs du département de français. Vous allez d'abord entendre Samuel Skippen. Ensuite, Laurence Marie, puis Pauline Gedge, Sophie Cognier, Pascal Crépon et Wesley Gunter qui vont, pendant ces 3 heures que nous allons passer ensemble, vous guider dans l'exploration de questions sociales souvent brûlantes, comme le racisme ou la crise de l'environnement, des questions très diverses, puisque vous allez vous mettre tout d'un coup dans la peau des Français qui regardent les nouvelles et ou qui se demandent ce que ça veut dire « woke ». Donc, ça va être un petit peu un dialogue transatlantique également. Et les conférenciers vont nous faire réfléchir également et je pense nous inspirer en partageant des documents et des pratiques et des démarches qu'ils appliquent quotidiennement dans leurs cours à Columbia. Alors, moi, je ne vais rien présenter, mais j'aime bien aussi aborder des questions sociales dans mes classes et j'utilise 3 sources en particulier qui sont très faciles à trouver et qui sont très utiles parce que ce sont de très bons formats. Alors, je vais vous les mettre dans la messagerie. Alors, le premier c'est que je vous envoie, c'est Culture Prime. Alors, je vous l'envoie, je trouve ça très utile. Le deuxième que je voudrais partager avec vous, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les connaissez, hein, mais c'est juste au cas où. Le deuxième, c'est Brut Média, qui a aussi des formats courts avec sous-titres qui sont vraiment très, très bien.
Et enfin, je vous invite, si vous, si ça vous intéresse, à vous abonner au newsletter, newsletters, qu'ils appellent newsletter en français, de France Télévisions. Vous pouvez choisir ce que vous recevez et tous les jours, dans votre boîte courriel, vous allez trouver une sélection de vidéos d'actualité qui, en plus, sont liées à des contenus qui restent longtemps en ligne. Sur l'actualité, oui, mais aussi sur des tas de choses qui sont un peu intemporelles. Et c'est très, très intéressant. J'ai trouvé beaucoup de documents tout à fait passionnants là-dedans. Donc voilà, ça, c'est ma contribution pour aujourd'hui. Et je vais passer la parole à notre premier intervenant, Samuel Skippen. Bonjour, vous m'entendez tous? J'espère que oui, si je peux voir un pouce. Oui, voilà, il y en a eu un. Donc, je m'appelle Samuel Skippen. Je suis lecteur dans le département de français à Columbia. Et je vais partager mon écran avec vous dans quelques instants. Le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est « Américanisation des débats » ou « Américanisation des médias ». Je m'appuie essentiellement sur des vidéos. Alors, je dois vous prévenir que si vous avez une connexion Internet qui n'est pas très bonne, vous risquez d'être un peu frustré. Ça s'ajoutera peut-être à une liste de frustrations que vous avez déjà, mais ça, bon, ça c'est une autre histoire. Mais je vous le dis parce que si jamais vous avez du mal, vous pouvez peut-être juste écouter le son. Et comme l'a dit Polly et également Pascal il y a peu, nous allons mettre nos présentations en ligne et je pourrai donner les références de ce que j'ai utilisé. Alors, je vais partager mon écran tout de suite ici avec vous en espérant que vous arrivez à voir ce que je vois. Ça va, est-ce que vous voyez la diapositive d'accueil? Oui, d'accord, ok, c'est très bien. Donc voilà, le thème américanisation des débats ou américanisation des médias. Déjà, une première remarque, il faut savoir que les Français s'informent encore majoritairement auprès des sources traditionnelles, la télévision d'abord et avant tout. Hein, il y a un sondage Reuters qui est fait, enfin une enquête qui est faite chaque année, et c'est toujours le cas. Hein, la télévision reste la source d'information principale. Évidemment, les journaux, mais plutôt mis en ligne, et la radio qui arrive, qui n'a que 14%, mais quand même qui est toujours très présente. Alors, bien sûr, cela varie beaucoup en fonction des tranches d'âge. Il va de soi que chez les plus jeunes, il y a une utilisation plus forte de l'Internet. Mais ce qu'on observe, si vous voulez bien couper votre micro. Oui, si vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est Madame Diagnostic. Merci. Oui, donc si il y a évidemment une utilisation plus forte de l'Internet chez les jeunes, même là, ça peut être par des plateformes en ligne, pour ce qui est de l'information, et je parle bien de la France, on aura quand même in fine recours aux médias traditionnels. Hein, donc, quand je dis les médias traditionnels, ça peut être bien sûr un journal comme Le Monde qui met en ligne, ou alors ça peut être des newsletters hein, qui vont combiner de l'information qui vient de plusieurs sources et qui pourront éventuellement être mises sur YouTube. Donc, il faut faire très attention quand on parle des sources d'information. Hein, on pourrait penser aujourd'hui, enfin, en France, on estime qu'il y a à peu près 92% d'utilisateurs d'Internet. Alors, ça varie évidemment selon les régions et c'est un chiffre qui est plutôt, je crois, optimiste. Hein. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a un accès assez facile, en tout cas, pour une grande partie de la population à l'information en ligne. Alors, juste sur cette présentation, il faut d'abord que je vous dise, hein, ce n'est pas une étude sociologique sur l'information en France. Hein, il s'agira plus de partir du constat qu'il y a une homogénéisation du monde, du format de l'information et certainement une américanisation quant à la forme, voire quant au traitement du fond. Et cette présentation vise, comme il s'agit bien, enfin, on se réunit aujourd'hui, c'est un atelier, n'est-ce pas, pour vous donner des idées pour l'enseignement du français dans vos cours. La présentation vise avant tout à mettre en avant comment dans un cours de langue on peut utiliser les médias et comment le prisme de la question que je mets en avant, c'est-à-dire de l'américanisation,
peut favoriser une certaine approche de la langue et de la culture. C'est dire que mon approche ici ne prétend ni être sociologique ni comparatiste, hein. Il s'agit plus de partager des points de vue qui pourront être exploités dans la salle de classe. Ce qui veut dire que je vais vous montrer beaucoup de réalia, enfin de fichiers, enfin de vidéos qui sont tirées, hein, de la vie réelle et qui pourront après vous inspirer pour vos cours et que vous pourrez utiliser. Je donnerai des indications sur comment je les utilise moi-même. Alors, un premier constat s'impose, c'est d'abord une remarque que fait un Français, enfin, qui n'est plus parmi nous, mais qui avait déjà fait l'observation suivante. Voilà, alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas nés hier, vous aurez sans doute remarqué Georges Marchais, hein, qui était le secrétaire général du Parti communiste, et qui, et là, cette interview est tirée d'une archive où il est interviewé par El Kabach, qui était le grand présentateur sur TF1 et Antenne 2 aussi, enfin, ça dépendait des moments, au début des années 80, et où il y a déjà une plainte quant au traitement de l'information. Alors, si on s'avance un petit peu, et donc justement ici, c'est peut-être un prisme pour parler des présidents de la Ve République. Georges Marchais n'était pas président de la Ve République, mais la personne qui suit, oui, et vous la reconnaîtrez sans doute. Et on pourra commencer à s'interroger sur s'il y a une détérioration progressive du rapport entre pouvoir et médias. Alors, ce clip me semble intéressant de ce point de vue. Voilà, donc là, on voit François Mitterrand, hein, donc ça, c'est une interview au moment ici du scandale des écoutes de l'Élysée, que vous connaissez peut-être, hein, et où on voit, d'abord, il faut remarquer que Mitterrand est interviewé à l'Élysée, à côté de la cheminée, donc il n'y a pas vraiment une mise en scène clinquante, comme on en verra dans le clip qui suit, mais on voit que Mitterrand refuse l'interview, de continuer l'interview, et qu'il y a une mise à distance, en tout cas, des journalistes, chose qui sera petit à petit inversée. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je suis obligé de choisir simplement un clip, mais il y en a un en particulier qui remonte à il y a quelques années, où on voit que le rapport de force s'est complètement inversé. Voilà, donc vous avez reconnu François Hollande, le président normal, hein, à qui on dit c'est une plaisanterie. Donc ici, véritablement, on n'hésite pas à interrompre le président et même avec une position ici de surplomb. Il est tellement normal, ce président, qu'il finit par être réduit à un invité comme un autre presque ici. Hein. Et vous aurez peut-être reconnu la journaliste Léa Salamé qui est un peu la journaliste vedette des dernières années. Alors, ici, en cours, je pense que l'un des fils qu'on pourrait suivre, c'est justement la question de l'évolution des registres de langage. Hein. Donc, il y a plusieurs, évidemment, vous aurez sans doute entendu François Mitterrand qui parle de vilénie. Hein. Eh bien, ici, c'est pas tellement avec François Hollande, mais sinon avec Léa Salamé, cette manière de parler d'une façon un peu désinvolte, et on va voir, et j'en parlerai dans quelques instants, tout un vocabulaire qui commence à apparaître dans les médias que l'on n'utilisait pas avant. Alors, déjà, pour parler de cette évolution, comment l'expliquer, mais vraiment en quelques lignes, cela s'explique en partie hein, par la multiplication des sources d'informations, en gros à partir des années 80, mais ensuite par la privatisation de TF1, hein, qui est la première chaîne de télévision, et surtout par la création importante hein, de chaînes d'information en continu. Hein. Donc ici, qui cherche à rivaliser, ou en tout cas à répondre à CNN, par exemple, aux États-Unis. Alors, on pense bien sûr à LCI, alors c'est qui est la première chaîne en 1994, puis il y a CNews, dont on parle beaucoup aujourd'hui, en 1999, et j'en dirai deux mots dans quelques instants. BFM TV, qui est la chaîne d'information la plus regardée en France aujourd'hui, créée en 2005, et France 24, alors là, on est dans le domaine public, en 2006, dont le slogan, notez-le, est « Liberté, égalité, actualité hein. ». Et enfin, France Info, qui date de 2016.
Alors, même s'il y a une présence forte du service public, comme je viens de le montrer, quant à l'information, France 2, France 3 pour les journaux télévisés qui sont toujours très regardés, France 24, bien sûr, France Info pour l'information en continu, aussi Radio France, n'est-ce pas, qui a quand même un taux d'écoute, donc ici, que ce soit France Culture, France Inter ou autre, on a une présence du public qui est importante. Mais malgré tout, et ça, si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, il y a une concentration des gens qui détiennent les médias en France, à tel point que certains d'entre eux ont été convoqués par le Sénat ces dernières semaines. Vous allez reconnaître peut-être certaines de ces figures. On considère qu'il y a à peu près 9 personnes ou grands groupes qui détiennent la quasi-totalité des médias en France, et se pose la question de qui possède quoi. Alors, vous reconnaîtrez certainement certaines de ces figures. Martin Bouygues, qui possède TF1 et M6, le groupe M6. Il faut voir que ce qui est indiqué ici, c'est beaucoup plus que seulement les chaînes elles-mêmes. C'est après tout ce qui dépend de ces chaînes. Vincent Bolloré, alors je viens de parler de CNews. Alors justement, Vincent Bolloré a repris CNews, mais aussi vous avez la reprise de Europe 1, d'accord, où était, enfin, l'un des commentateurs était Zemmour, Éric Zemmour, j'en ai oublié le nom parce qu'on en parle tellement, qui était donc la vedette de CNews et qui ne peut plus participer au débat. Pour des raisons, parce qu'il se présente comme candidat, mais si je parlais de certains de ces présidents de groupe, notamment Vincent Bolloré, qui sont auditionnés par le Sénat, c'est précisément sur cette question de la ligne éditoriale, puisqu'il y a la question de est-ce que finalement Europe 1 et CNews ne sont pas complètement influencés. On considère que CNews, c'est le Fox News français, pour aller vite. Vous avez Bernard Arnault aussi, que vous connaissez certainement, et Patrick Drahi. Donc, il y en a d'autres, mais là, ce sont les principaux que j'ai mis en avant. Alors, cette étude, enfin, l'étude de ce phénomène peut prêter à une discussion en cours du rapport entre médias et économie, par exemple. Enfin, ça dépend de ce que vous faites, et a amené un débat sur l'indépendance de la presse. Alors, si on se place du côté américain, vous savez que Jeff Bezos a donc acheté le Washington Post, par exemple, et il peut se poser la question, que se passe-t-il si les employés d'Amazon veulent se syndiquer, organiser un syndicat? Comment le Washington Post va en parler? Alors, le Washington Post dit être complètement indépendant, ce qui est sans doute en grande partie vrai. La question se pose surtout, mais que se passe-t-il quand il y a des critiques, notamment pour ce qui est de l'environnement et autres, du groupe qui détient des sources? Alors, moi, je ne vais pas rentrer, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais ça peut être un élément intéressant à parler en cours. Donc, vous pouvez mettre en rapport ces choses-là. Alors, cette privatisation amène avec elle une américanisation, bien sûr, parce que certains des groupes, évidemment, ont des intérêts aux États-Unis également. Et surtout, c'est que la référence médiatique va être justement le traitement à l'américaine, disons, de l'information, ce qui ne veut pas dire que tout se passe comme cela en France, mais on voit apparaître de plus en plus cette influence. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ici, c'est plus le document qui me semble intéressant, le document visuel, de voir l'évolution des génériques. Et surtout que j'aime beaucoup le premier générique. Je vais le laisser, ça dure 50 secondes, mais il est très beau. Et comme ça, vous pourrez vous détendre avant ce qui suit. Justement, il y a une mise en spectacle progressive, mais là, on commence avec quelque chose de calme. Et certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce générique que moi, je trouve très beau, qui était de Antenne 2, donc l'ancêtre de France 2. Voilà. Alors, certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Moi, ça me donne à chaque fois des frissons quand je regarde ça. Ça remonte à 60, c'est entre 73 et 83, si je ne me trompe pas,
hein, que France 2 donc, faisait passer ça à la fin, quand ils rendaient l'antenne, mais également avant le dernier journal. Hein, donc, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de marginal. Si on compare ça à la présentation du journal d'aujourd'hui, eh bien, ça donne... Voilà, bon, c'est beaucoup plus court, je l'ai coupé parce que ça fait du bruit, je trouve. Mais là, vous voyez, le plateau est complètement différent et la musique. Donc là, on est bien dans ce qu'on pourrait retrouver finalement aux États-Unis. Alors, si le spectacle s'invite dans la forme, comme on le voit avec ce dernier générique de journal, il s'invite aussi dans le fond. Alors, ma collègue Laurence Marie va parler de certains mots épouvantails hein, qui viendraient des États-Unis, donc je ne vais pas m'attarder sur cela, mais je dirais seulement qu'il y a de plus en plus l'impression que le débat politique s'articule autour de débats cloisonnés. Hein. Et en ça, c'est assez américain. Si on pense aux États-Unis, et vraiment, je simplifie, mais des thèmes comme la peine de mort, l'avortement, le droit de porter les armes, hein, qui vont vous déterminer comme étant de gauche ou de droite, ou républicain ou démocrate, on voit qu'en France, c'est plus complexe. Vous avez, alors j'ai essayé de ne pas prendre les mêmes que ma collègue Laurence, mais des thèmes comme l'identité, l'universalisme, hein, l'immigration sont devenus centraux et on va partir du thème plutôt que de partir d'une problématique de société. Et c'est ça qui marque une grande différence. Alors, on le voit de façon très nette dans la manière dont les chaînes d'information choisissent leur thème. Précisément, ils vont partir du thème plutôt que d'un problème sociétal et ils vont faire une priorité. Alors, je vais prendre cet exemple récent sur BFM TV. Je ne souhaite aucunement faire la publicité de certains candidats, mais si on parle d'une américanisation, il faut bien mettre en rapport certains candidats qui se réclament d'autres médias, d'autres personnalités américaines que vous connaissez hélas certainement beaucoup, et vous allez voir comment le débat est traité. J'aimerais que vous prêtiez surtout attention au thème lui-même qui est présenté comme étant le thème, le premier thème du débat, et voir que ce thème n'est pas la première préoccupation des Français. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, bon, comme vous pouvez l'imaginer, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Seulement là, il y a un autre thème qui arrive d'abord et qui est présenté comme le thème principal, celui qui intéresserait le plus les Français. Et après, de regarder comment l'un des personnages, et j'utilise bien le mot personnage, va s'adresser aux journalistes. Voilà, il fallait quand même que je laisse Mélenchon donner le dernier mot ici. Mais vous voyez comment le premier thème est abordé en disant « on regardera, on s'intéressera plus tard aux autres sujets ». Il faut bien savoir que quand il y a une… On va quitter cette image. Quand il y a un débat de ce type, c'est toujours le premier thème qui est le plus important hein, pour ce qui est de l'audience. Hein. Si on regarde comment les gens se connectent, ou regarde un débat, le premier est toujours le plus important. Donc ici, le thème de l'immigration est mis en avant, alors que ça n'est pas justement la préoccupation première des Français, même si, il faut bien le dire, ça apparaît. Hein, l'INSEE et différents sondeurs font constamment hein, un classement des préoccupations des Français, mais en tout cas, l'immigration n'arrive pas en première position. Hein. C'est le pouvoir d'achat et puis bien sûr la santé, vu la situation dans laquelle on se trouve depuis 2 ans. Alors, il y a aussi l'apparition d'un vocabulaire nouveau. Et d'ailleurs, vous voyez, ce sont des mots anglais, le clash, hein, chercher le clash. Donc, CNews, c'est une machine à clash, hein, c'est-à-dire on met face à face des personnes qui, de toute façon, ne vont jamais s'entendre, mais ça va faire du spectacle. Hein. Le buzz, ça va faire le buzz, on va en parler. Donc déjà, 2 mots anglais. Et il y a ce mot clivant, même le verbe cliver, est-ce que ça clive? Telle figure est clivante, hein, d'accord? Ou tel candidat est clivant, et évidemment, pour un modèle économique, c'est-à-dire s'il s'agit d'attirer les téléspectateurs, c'est bien d'avoir du spectacle. Et ce qui explique sans doute en grande partie pourquoi on a vu Éric Zemmour tant à la télévision à l'automne. Là, il sera limité dans le temps, mais il sera limité dans le temps à la télévision, à la radio. Il reste l'Internet. Hein, donc là, il pourra parler autant
qui le veut. Mais après, il y a un autre vocabulaire que je trouve intéressant qui cherche justement à minimiser ce côté violent, mettre un bémol. C'est utilisé partout. Enfin, moi, ça m'agace énormément. Hein. Il faut mettre un bémol. Déplacer le curseur, voilà, on est dans la tranquillité ici. Ou quelqu'un est hors sol. Hein, ça, on l'utilise aussi beaucoup. Alors, à part le côté aérien, c'est justement quelqu'un qui ne rentre pas véritablement dans le débat, hein, qui serait déconnecté. Et alors, déconnecté de quoi ? D'un débat social ou d'un débat médiatique ? En tout cas, là, il y a une analyse de vocabulaire qui pourrait être, je pense, très intéressante à mener. Alors, je continue parce que je vois l'heure qui tourne et j'aimerais vous laisser du temps pour parler. Et peut-être pour faire la synthèse un petit peu, de façon artificielle, j'en conviens, mais j'ai peu de temps. L'actualité spectacle, hein, ne peut-elle pas faire la part belle, finalement, à l'artifice ? Et pour preuve, on va terminer sur cet extrait assez étonnant, hein, d'un journal de 20 heures de TF1. Donc, c'est l'un avec France 2, ce sont les deux journaux télévisés qui sont les plus regardés, hein, le 20h de TF1, où ici la journaliste, la présentatrice reçoit un invité, mais assez particulier, hein, et l'interview va prendre une tournure un peu particulière aussi, vous allez voir. N'oubliez pas encore une fois, hein, TF1, le 20h de TF1, c'est l'une des sources principales, hein, d'information. En France, hein, le 20h reste toujours un rituel, hein, des Français, de se mettre devant la télévision en mangeant ou pas pour regarder le 20h. Donc voyons ce clip assez étonnant, me semble-t-il. Voilà, alors vous aurez reconnu Stromae, seulement ce qui est assez surprenant, c'est comment le clip s'invite dans le journal télévisé, c'est-à-dire c'est en réponse à une journaliste, hein, chose qui, bah, à ma connaissance, moi, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Pour la promotion de son nouvel album, c'est pas mal. J'ai pas mis tout le clip, hein, mais il chante toute sa chanson, hein. Donc, il faut voir, à une heure de grande écoute, en répondant aux questions de la journaliste, il chante sa chanson. Voilà. Alors, je voulais montrer ça en dernier parce que c'était il y a moins d'un mois, hein, donc il a fait ça, si je ne me trompe pas, parce que je trouvais que c'était assez intéressant de voir comment, finalement, ici, on a un rapprochement entre l'information spectacle, mais aussi, hein, une vision assez particulière de comment est-ce que la culture, d'une manière générale, peut s'inviter dans les médias, hein. Et donc, là aussi, hein, pour vos cours, alors je dois bientôt terminer, mais ça peut être très bien de discuter de ceci, c'est-à-dire en quoi, finalement, les paroles ou la musique, ici, sont aussi un élément du débat social. Hein. Donc, à partir de beaucoup de chansons, vous pouvez faire ça, Stromae se prête particulièrement bien à ce genre de conversation. Alors, je vais vous laisser parce qu'il est 10h40 et je laissais un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Je ne sais pas très bien comment ça va marcher pour les questions, puisque je crois qu'il y avait... moi, je ne suis pas très bon avec le chat. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. Je ne sais pas, Polly, Pascal, comment on procède ici. Je ne sais pas si c'est toi, Polly, qui reçois les questions ou peut-être que ça sera après. En fait, on avait dit que si on a des questions, on peut les poser après chaque présentation. Je crois que c'est mieux comme ça. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser maintenant dans le chat. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, juste pour ne pas perdre trop de temps, c'est qu'on pourrait peut-être grouper les questions qui viendront pour la présentation de Laurence et les miennes, puisque, bon, il y a des rapprochements qui peuvent se faire. Oui. On fait ça. Laurence, ça va ? Je peux te laisser la parole ? Alors, bonjour à tout le monde, merci aux organisateurs, à la Maison française, à toutes les personnes qui sont venues nous écouter aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran, pardon, où est-ce que c'est ? C'est là. Voilà, hop. Alors, donc aujourd'hui, je vais parler donc de sujets
délicat, me semble-t-il, laïcité, communautarisme, islamo-gauchisme, wokisme et autres mots épouvantail. Je me suis rendu compte après coup que dans ma volonté de faire de faire un titre un peu spectaculaire, j'ai mis laïcité au sein des mots épouvantail. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais plutôt les autres mots. En tout cas, c'est agité comme un épouvantail par un certain nombre de personnes. Et c'est surtout ça que je voulais dire. J'ai mis mon email dans la première page. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je partage avec vous ma présentation. Je vais expliquer pourquoi, mais j'ai mis énormément de liens hypertextes dans cette présentation. Je ne montrerai qu'un certain nombre de vidéos, très très peu par rapport à l'ampleur de la documentation que j'ai rassemblée, parce que j'ai souhaité, en fait, j'ai trouvé tellement de choses qui me semblaient intéressantes que plutôt que de les couper, j'ai privilégié la diversité, là, vraiment c'est assez foisonnant, sur l'exploitation pédagogique, puisque vous êtes tous enseignants, vous savez comment exploiter un document, je vais donner des pistes, mais là vraiment je souhaitais un peu faire le point sur ce qu'on peut trouver sur Internet, enfin, évidemment je ne vais pas tout donner, et qui est transmissible aux élèves, me semble-t-il. Donc le point de départ de mon travail ici, c'était un cours de conversation avancée à Columbia au printemps 2020 qui a eu lieu sur Zoom avec donc 18 étudiants, un nombre quand même assez important, des étudiants qui parlaient très bien français, certains étaient même complètement bilingues, qui connaissaient quand même relativement bien la culture française, mais j'ai senti très très vite le besoin de passer beaucoup de temps sur ces questions-là, puisque donc quelques mois auparavant, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty avait été assassiné donc par un islamiste radical. C'était en octobre 2020, donc le cours commençait en janvier, donc en octobre. Pardon. Donc j'ai dit printemps 2020, mais je me suis trompée. Pardon. C'était printemps 2021. Mon cours, pardon. Donc, juste avant, c'était Samuel Paty. Il y avait en France un débat, puisqu'on lisait quand même beaucoup la presse ensemble, un débat récurrent qui commençait à émerger sur l'islamo-gauchisme. Et évidemment, toutes les discussions qui s'intensifiaient, continuaient de s'intensifier autour du mouvement Black Lives Matter. Donc, il y avait donc un certain nombre de lignes de fracture. Donc, pardon, je reviens en arrière, mais mon objectif avec ce cours, c'était de donner du contexte aux étudiants, parce que la tentation était de mettre la France d'emblée dans la catégorie raciste, xénophobe, archaïque. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessairement le cas, mais je trouvais que ça allait souvent un peu vite et qu'il fallait donc donner du contexte, donner différents points de vue pour que les étudiants puissent réfléchir et ensuite se forger leur propre opinion. Ils pouvaient évidemment rester sur leur opinion initiale, et ma prétention n'était évidemment pas de partager ma propre opinion, bien sûr, mais de montrer la diversité des points de vue, la complexité des mots, des réalités qui sont derrière les mots, et comment chaque mot évolue en fonction du contexte de la personne qui en parle. Donc ce que je présente aujourd'hui, je l'ai dit, va bien au-delà du corpus beaucoup plus restreint que j'ai pu exploiter pendant le cours, puisqu'il y a eu énormément de choses qui sont aussi parues en ligne, qui ont été publiées en ligne depuis. Donc évidemment je prolonge ce que disait Samuel juste avant moi, et je vais vraiment me centrer ici sur la question de la laïcité, de ce mot qui est en évolution permanente à travers donc des vidéos que j'ai choisies à chaque fois pour leur clarté. Il y a des vidéos qui sont pédagogiques, qui sont destinées aux élèves en France. Il y a aussi des extraits de télévision très courts. Il y a aussi des extraits d'émissions de radio. Souvent, ces extraits, d'ailleurs, sont sous-titrés ou il y a une transcription, donc ils sont exploitables. J'ai vraiment privilégié ce genre d'extraits. Et il y a aussi beaucoup d'articles de journaux que j'ai ajoutés, dont je ne vais pas nécessairement parler, mais voilà, c'est le corpus que je vais exploiter aujourd'hui. Donc, quelles sont les lignes de fracture? Alors, pardon, il faut juste que j'arrive à... je ne vois plus mon PowerPoint complètement, pardonnez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, les tenants... Donc, il y avait les lignes de fracture qui sont le point de départ, finalement, de cette discussion. Donc, les tenants de la laïcité, qui sont aussi donc, des défenseurs de la liberté d'expression. Ici, je reprends des termes qui sont employés par ces personnes, hein, d'accord, de manière distanciée, sont jugés donc islamophobes par certains, en France et aux États-Unis. Ça, c'est vraiment le point de départ de la discussion.
Et d'un autre côté, les critiques de la laïcité sont définies en France comme étant islamo-gauchiste par certains. Donc, c'est l'expression employée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui a allumé le feu, ou woke, expression, comme vous le savez, empruntée à l'anglais et utilisée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ces personnes donc, sont accusées de prôner le communautarisme et d'être influencées par un modèle culturel anglo-saxon. Donc, ça, c'est le point de départ et je vais préciser toutes ces questions-là. Alors évidemment, je pense que ce sont des questions que vous connaissez bien. Et l'idée ici, c'est d'avoir du matériau pour pouvoir le partager avec les élèves et encore une fois, les faire réfléchir. Alors pourquoi j'arrive plus à passer à ma... Ah voilà. Alors, donc le plan de mon intervention, la laïcité, donc d'abord, histoire, évolution, c'est un mot qui change de définition, qui est utilisé dans différents contextes. Deuxième partie, donc les deux attentats, 2020, et un débat qui s'est complètement enflammé au sommet de l'État et dans les médias. Troisième point, donc je reviens de manière précise sur chacun des mots, les incompréhensions transatlantiques avec deux modèles de société, des mots qui sont opposés dans les médias et au sommet de l'État. Et un appendice, une sorte de bonus, parce que je n'avais pas envie d'y renoncer, mais ça ne s'intégrait plus tellement finalement dans ma présentation, sur les évolutions du discours de la laïcité au sein de l'école. Donc, comment l'État traite la question de la laïcité auprès des élèves. Donc, Donc, un tweet ici qui a été retiré depuis, qui date de novembre 2020, du novembre 2020, par Alexandra Schwarz, qui est au New Yorker, qu'elle a enlevé. La laïcité n'a jamais tué personne, disait Emmanuel Macron, et elle répond Paging, Staline and Mao. Donc, ça a été enlevé depuis parce que c'est quand même très, très contestable, puisqu'ici, elle confond la laïcité et l'athéisme, la neutralité de l'État et la persécution religieuse, mais c'était de vouloir commencer ça de manière un peu provocatrice. Alors, sur l'histoire donc, de la laïcité en France, j'ai trouvé sur le journal de, donc, au journal de 13h sur France 2 une vidéo qui est très intéressante. Alors, elle dure 4 minutes. C'est la seule vidéo que je vais montrer en entier. Voilà. Donc, pardon. Donc, cette vidéo a été un peu longue, mais je voulais démarrer par ça parce qu'il me semble que c'est la seule vidéo que j'ai trouvée qui montre des images d'archives et qui vraiment explique très bien les différentes étapes. Donc, une manière de procéder peut-être avec les élèves serait de leur faire noter ce qu'ils comprennent, les différentes étapes de la laïcité. Je trouvais intéressant également cette intervention de cette jeune fille en foulard à la fin de l'extrait qui conduit à poser une question cruciale. Est-ce que la laïcité exclut certaines religions après avoir justement été dirigée nommément contre la religion catholique et plus nommément aujourd'hui, est-ce qu'elle est véritablement islamophobe? Ensuite, donc j'avais deux compléments que je ne vais pas montrer ici. Une vidéo sur la laïcité qui s'appelle donc Les clés de la République, la laïcité, qui explique très bien les choses. Il y a beaucoup de vidéos en ligne qui sont, je pense, tout à fait exploitables auprès des élèves. Et une deuxième vidéo de Lumni, c'est vraiment un très bon site de ressources avec des vidéos qui sont faites spécifiquement pour les jeunes. Les enfants et les adolescents, qu'est-ce que la République ? Puisque évidemment, ces deux questions sont liées. Donc, je voudrais aujourd'hui me focaliser davantage sur ces deux attentats donc, et un débat qui s'est véritablement enflammé. Deux attentats, donc il y en a eu d'autres, hein, mais qui ont pour point commun le fait d'être en relation avec les caricatures de Mahomet et d'avoir suscité un malaise auprès de tout le monde, alors que, par exemple, un exemple très fort, les attentats du 13 novembre 2015 ont donné lieu à un soutien unanime, ce n'est pas le cas de ceux de 2015 et 2020. Donc, 7 janvier 2015, l'assassinat de membres de la rédaction de Charlie Hebdo, après donc, qu'elle ait publié des caricatures de Mahomet. 16 octobre 2020, donc la décapitation de ce professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, à la sortie de son collège, après qu'il a montré donc, des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. C'est important de savoir que les professeurs d'histoire-géographie donnent aussi des cours dans ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique, l'EMC. D'accord ? Donc, il y a donc, au sommet de l'État, immédiatement après cet attentat, un durcissement du discours
pro-laïcité. Bon, je ne veux pas montrer cette vidéo pour gagner du temps, mais c'est un hommage donc très solennel du président Macron à Samuel Paty à la Sorbonne, donc dans la cour de la Sorbonne, en face de la chapelle, le 21 octobre 2020, juste après donc, cet attentat. Il y a un sous-titrage qui a été mis à jour, donc il y a un très bon sous-titrage fidèle aux propos du chef de l'État, donc c'est totalement exploitable. Et là, le passage qui a vraiment été un passage choc pour tout le monde, donc à la fin, « Nous continuerons, professeurs, nous défendrons la liberté, nous porterons haut la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent, et nous offrirons toutes les chances que la République doit à sa jeunesse, sans discrimination aucune. » Donc, il y a eu énormément de critiques au sein des médias américains. Donc, par exemple, dans le Washington Post, vous pouvez encore lire cet article qui date donc du 23 octobre. Donc, la France veut réformer l'islam au lieu de s'attaquer au racisme systémique. Deux articles qui ont été censurés. Donc, il y a un article dans le New York Times qui fait bien le point sur ces questions. Le président Macron a appelé les médias américains et a fait pression. Donc, deux articles ont été censurés. Qu'on ne peut plus trouver. Et donc la réaction de certains médias français qu'on peut aussi exploiter, donc qui sont des articles, c'est principalement, donc tous les médias ont vraiment réaffirmé le principe de la laïcité sans jamais finalement il y a une sorte d'unité nationale qui s'est faite sur cette question, mais Marianne, l'hebdomadaire Marianne a été le plus virulent, le plus anti-américain. Donc c'est intéressant parce que c'est un hebdomadaire qui a une ligne éditoriale souverainiste, antilibérale, laïque, qui emprunte donc à la gauche très fortement, mais aussi à l'universalisme républicain. Et donc on a toute une frange de la gauche. Ça, c'est important de le faire comprendre aussi aux élèves qui s'intéressent à la politique, parce que la ligne de fracture n'est pas nécessairement la même qu'aux États-Unis, il me semble. Dès mai 2015, Marianne a dénoncé les complices de l'islamisme en France, et certains ont pu taxer Marianne donc d'extrême droite. Donc il y a vraiment une sorte de ligne de clivage qui s'est plus ou moins déplacée ici. Le journaliste de Nicolas Domnac, lui, le définit comme une autre tendance de la gauche qui pense qu'il faut interpeller ceux qui parlent de l'islam d'une certaine façon. Donc, c'est un journaliste qui fait partie de Marianne, donc qui nuance l'affiliation à l'extrême droite, évidemment. Le président Macron donc, a répondu aux médias américains. Donc, il y a une version en français que vous pouvez exploiter peut-être de l'article du New York Times qui est très intéressant. Donc, le président Macron se justifie. Notre modèle est universaliste, pas multiculturaliste, je vais y revenir. Dans la société, je me fiche de savoir si quelqu'un est noir, jaune ou blanc. S'il est catholique ou musulman, il est d'abord citoyen. Et il explique, les médias étrangers ne comprennent pas la laïcité à la française. Donc, s'ensuit un projet de loi qui est devenu une loi depuis, qui a encore plus enflammé les débats. Février 2021, projet de loi contre les séparatismes, qui devient donc en août dernier la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Dans le communiqué de presse, il est indiqué que le gouvernement vise à lutter contre ceux qui dévoient la religion pour mettre en cause les valeurs de la République. Il s'agit d'empêcher que sur certaines parties du territoire national, certains instrumentalisent la religion pour construire une société parallèle et imposer leurs règles à la République. Donc, j'ai trouvé une vidéo d'explication du projet avec des visuels qui est assez bien faite sur France TV Info, je ne vais pas la montrer. Un article qui résume le projet et sa perception à l'étranger, donc sur Euronews, 15 février 2015. Donc parce que c'est un projet qui datait de 9 ans, je pense, et une vidéo donc, où Macron répond aux médias bruts et où il explique la loi. Donc c'est une vidéo très longue, mais qui est intéressante, qui peut aussi être exploitée avec certains extraits. Ici, ça fait perdre trop de temps de montrer des tout petits extraits, et je suis moins douée que Samuel pour enregistrer des extraits tout courts sur mon ordinateur. Donc voilà. Maintenant, je voudrais faire le point sur deux modèles de société qui viennent clasher, pour reprendre le mot qu'a mis en avant Samuel, à travers donc, certains mots. Donc, la laïcité d'un côté versus le sécularisme
Donc, la laïcité française diffère du sécularisme américain, par lequel le mot est souvent en fait mal traduit. Puisque, donc il y a un podcast du New York Times qui est intéressant, qui est en anglais, qui dit bien cela, qui explique bien. In France, this idea behind laïcité is that it's about freedom from religion, whereas in the US, it's really about freedom of religion. Et je trouve que c'est une bonne manière. Bon, après, vous verrez, j'ai mis une bibliographie en dessous avec des articles qui sont vraiment intéressants et qui expliquent bien la différence entre les deux. Mais voilà. D'un côté, la laïcité française vise à empêcher l'ingérence religieuse dans l'organisation, dans le fonctionnement de l'État. D'accord, donc c'est l'idée de la neutralité de la sphère publique. Et de l'autre, le sécularisme américain vise à protéger les religions. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. Et c'est intéressant, je pense, de l'expliquer aux étudiants. Les libertés d'expression, je l'ai mis au pluriel puisque ce n'est pas exactement la même chose en France et aux États-Unis. Ça, c'est important de le dire. Et j'ai trouvé deux excellentes vidéos dont je sais qu'elles ont été exploitées par des collègues en France au lendemain des attentats parce que c'est compliqué de traiter ces questions-là avec les élèves, surtout quand on a des élèves de provenance très diverses. Donc, la liberté d'expression et ses limites sur l'UMNI, encore une fois. Et c'est quoi le blasphème dans l'UMNI? Je ne vais pas les montrer ici. Elles durent quelques minutes à chaque fois. Mais voilà, regardez-les, elles sont bien faites. Donc, la laïcité en France est associée à la liberté d'expression. Ce sont deux termes qui vont de pair. Et il y a de nombreuses limites qui ont été ajoutées au fil du temps, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Il y a atteinte à la vie privée, incitation à la haine raciale, diffamation. Et dans le récent projet de loi, il y a aussi les questions sur la haine en ligne qui ont été ajoutées. Aux États-Unis, le First Amendment, c'est la liberté d'expression et de la presse. Il n'y a pas de limite légale, en tout cas. Mais je crois une forme d'autocensure qui conduit, par exemple, à ne pas montrer les caricatures de Mahomet, alors qu'en France, elles ont été montrées. Donc, c'est deux démarches très différentes. Alors, je voulais montrer ça. J'hésite à montrer une vidéo maintenant, j'ai peur. Mais je vais donc… Emmanuel Macron qui explique qu'il est en faveur de la diversité, mais pas du multiculturalisme. L'antimodèle, c'est vraiment le multiculturalisme à l'américaine. Alors, je vais essayer. 3,58. Voilà, donc on voit bien ici, alors il y a plusieurs autres passages qui sont intéressants dans cette interview par Mediapart, donc un média de gauche. La suite de cette, les termes qui sont associés à ces questions, donc c'est universalisme et assimilation d'un côté versus communautarisme et séparatisme. Donc le président Macron préfère utiliser le mot de séparatisme parce que communautarisme est un terme péjoratif qui a été... disons, dévoyé, si vous voulez, par une certaine frange politique en France. La laïcité donc, est mobilisée vraiment contre le communautarisme qui est assimilé donc, au séparatisme. Alors, je voudrais vous faire écouter une émission, si j'ai le temps, oui, j'ai encore un peu de temps, donc de Bourdin Direct, la première minute. Donc, ici, je trouve que c'est très bien expliqué. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai repris le podcast du New York Times. C'est une Française qui est interrogée, qui parle en anglais et qui explique ces questions-là, avec cette idée donc, que la France est fondée sur l'idée qu'il faut intégrer les gens et les assimiler. Je ne reviens pas ici sur le débat intégration-assimilation, mais c'est important aussi de l'expliquer, je crois. Alors, j'en viens à la toute fin de ma présentation à l'islamo-gauchisme et au wokisme. Donc, l'islamo-gauchisme est défini, donc c'est un terme qui a été réapproprié à une partie de la classe politique comme un combat contre la laïcité qui fait le lit du communautarisme et comme donc, le dévoiement de l'université pour diffuser des idées militantes. Donc, c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a utilisé d'abord. Il y a une interview sur Europe 1 que vous pouvez trouver. Ensuite, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, l'a utilisé donc, sur CNews, dont parlait justement Samuel tout à l'heure. Il y a une petite définition intéressante sur TV5 Monde que vous pouvez regarder. Et ensuite, l'émission la plus intéressante, à mon sens, c'est sur France Inter. C'est une interview d'Olivier Roy, un politologue, et Pascal Blanchard, historien, qui travaille depuis très, très, très longtemps sur ces questions. Et notamment, donc, vous pouvez tout écouter, franchement, c'est bien fait. Et puis, ce sont deux personnes qui savent de quoi elles parlent. Les islamo-gauchistes s'intéressent aux musulmans, pas pour leur religion, en fait, ils sont en général athées, mais parce qu'ils veulent défendre une minorité. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là. Et sur le wokisme, donc, il y a un colloque, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a eu lieu à la Sorbonne il y a 3 semaines, après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture.
organisé donc par l'Observatoire du décolonialisme, un site voilà, qui est intéressant. C'est un point de vue très particulier, on va dire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant de regarder parce que ça en dit long sur ce que pense une partie des Français. Le Collège de philosophie et le Comité laïcité république, qui porte bien son nom. Et c'est donc, il n'y a aucune personne favorable au wokisme et à la déconstruction qui a été invitée parce qu'ils considèrent qu'en fait, on ne peut pas vraiment discuter de ces questions-là. Et donc, c'était deux journées entières avec des intervenants vraiment prestigieux. Tout est en vidéo. Donc ça, je m'en suis rendu compte seulement hier soir parce qu'ils l'ont mis il n'y a pas longtemps, ils ont mis ça en ligne. Donc j'ai mis le lien vers les enregistrements. Il y a notamment une table ronde enjeux institutionnels, politique, droit, laïcité. Il y a un article très favorable dans Atlantico qui permet aussi de comprendre un certain type de point de vue. Et un article qui fait le point, qui est plutôt négatif, plutôt critique, mais en même temps qui est assez mesuré dans le Nouvel Obs du 22 janvier. Donc, ça fait énormément de bruit, ce colloque. Donc, ils ont réussi vraiment leur opération de com. Alors, j'en ai terminé sur le cœur de mon exposé et je voulais juste ajouter donc un petit bonus, puisque avec beaucoup de vidéos, de visuels, sur la laïcité à l'école. Donc, en 2013, il y a eu une charte de la laïcité qui est maintenant toujours affichée partout dans les écoles. Donc, voilà la charte que vous pouvez exploiter avec vos élèves. Donc certains extraits, on peut la trouver assez facilement en ligne, donc voilà, une version expliquée aux enfants, donc c'est aussi intéressant, et ensuite donc une vidéo de Vincent Payon qui était à l'époque le ministre de l'Éducation nationale qui dévoile la charte dans une école et ensuite des élèves qui sont interrogés. Ça, vous pouvez je pense la montrer à vos élèves si vous le souhaitez, parce que voilà, j'imagine qu'ils peuvent s'identifier à ces élèves et les questions posées sont pertinentes et mesurées, je trouve. Là, il y a une vidéo intéressante sur les problèmes auxquels sont confrontés les enseignants dans de nombreux, même maintenant presque partout, en fait, dans les établissements scolaires. Là, c'est expliqué de manière assez mesurée, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça également intéressant. Et l'évolution du terme de laïcité. Donc, la laïcité ici, c'est dans cette vidéo destinée aux enfants, c'est le respect. On déconnecte complètement laïcité et religion. C'est le respect, le vivre ensemble dans un espace neutre. Et donc voilà, la une de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty et une campagne qui était très controversée. Qui est très récente, qui date de la rentrée dernière de l'école, avec des images que vous pouvez exploiter. C'est ça, la laïcité, et des réactions assez violentes. Certains ont considéré que c'était raciste et xénophobe, d'autres ont... bref, je vous ai donné ici aussi des vidéos qui permettent de montrer différents points de vue sur cette campagne toute nouvelle. Donc, voilà, je vais arrêter de parler. Je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, je suis désolée, mais voilà, j'ai fini. Merci. C'est étonnant ce que vous avez fait, c'est vraiment remarquable. Je vous remercie, Samuel et Laurence, de ces deux présentations vraiment fabuleuses. Je vois qu'il y a une personne, et je la connais, elle est aussi remarquable, qui a posé plusieurs questions, et je me demande si on pourrait... lui donner accès à pouvoir parler un petit peu. C'est une collègue qui fait partie de notre conseil administratif, Jasmine Narcisse. Elle a posé 4 questions. Je crois que ce serait intéressant d'avoir un petit échange avec elle. Bonjour. Allez-y. Vous m'entendez? Merci. Bon, je suis désolée, je m'excuse que le nom qui paraisse soit Iriane, c'est le nom de ma fille. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle a utilisé mon ordi. Donc, ça s'est connecté directement sur son identité, pas la mienne. Mon nom, c'est Jasmine Claude Narcisse. Je suis donc collègue de Poly et membre aussi de la ATF. Laurence, je vous remercie vraiment franchement de votre présentation. Elle est tellement détaillée, intéressante et au cœur de ce que je fais moi absolument maintenant dans une unité... dans un séminaire sur les études francophones avec une de nos classes avancées. Je suis un peu... Ça a été pour moi très émotionnel de participer à tout ça parce que je trouve que l'idée de mettre la laïcité comme... C'est comme une espèce de rempart
ce que j'appelle le blanket, que le pouvoir français, je dis bien le pouvoir, mais pas la société française, utilise pour exprimer un malaise, je dis malaise pour le moment, je ne veux pas dire rejet, de l'islamisme. Parce que je trouve que ça, pendant trop longtemps, les signes religieux ont été tellement évidents et visibles et personne ne s'en est préoccupé. Les juifs, les catholiques, et tous les portaient. Et que... whatever you want to eat, honey. Pardon, me? Oh, ça va. Et qu'on se soit retrouvé à reposer ces questions et à rediscuter de la laïcité quand il s'est agi justement des musulmans. Ça, c'est une première question. Et pour aller sur le wokisme, parce que je ne veux pas parler deux fois, je vous laisserai peut-être développer, pour aller sur le wokisme, je crois que l'idée que ce problème sur la laïcité et que ça se prolonge comme ça dans le wokisme, c'est aussi un élément intéressant qui nous permet de comprendre que ce qu'en fait, on veut éviter, à mon avis, en France, mais encore c'est mon avis et mon analyse de la question, c'est la remise en question de certaines réalités qui se sont tassées. Parce que justement, tout de suite après ce débat sur la liberté d'expression et tout ça, se retrouve le problème de mise en question de la diversité et de la représentation, des problèmes de racisme. Mais on ne peut pas avoir toute la population des minorités islamiques et noires, etc., en France, qui disent un mensonge. C'est vrai qu'il y a des discriminations qui sont évidentes et que l'espace, ce que, à mon avis, on essaie de faire, c'est de contrôler l'espace d'expression qui peut permettre la remise en question de ces différenciations et de ces divisions et peut-être une remise en question même de certains éléments de la société française, d'une façon de faire. Je vous laisserai donc, parce que je pense que vous avez été assez éloquente comme ça dans votre façon de présenter, c'était évident, mais je trouve que cet aspect-là, peut-être que vous faites une critique de la chose ou que vos élèves ont l'opportunité de le faire. Est-ce que vous pourriez éventuellement partager cela avec nous? Et merci de l'exception. Je suis désolée, j'espère que je ne trace pas un mauvais exemple, mais... j'ai posé trop de questions, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci. Merci beaucoup de cette intervention. Oui, je pense que vous avez probablement raison. Alors, justement, moi, mon objectif avec cette présentation, c'est... donc, vous avez prolongé en exprimant quelque chose. Moi, j'avoue que ce sont des sujets tellement délicats que je fais vraiment extrêmement attention. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de faire de faire circuler la parole dans le respect, évidemment, de ce qui peut être dit avec des questions à partir de ce genre de vidéo. Mais oui, je partage en effet votre analyse. Et on le voit bien avec ce que je montre à la toute fin, à quel point le débat s'est finalement cristallisé sur certains mots qui... c'est assez absurde quand même, l'islamo-gauchisme, le wokisme. Et c'est porté par des personnes, quand on voit le nombre d'intervenants prestigieux à ce colloque, donc ce n'est pas la Sorbonne qui l'a organisé, hein, c'était accueilli par la Sorbonne dans le cadre d'une location, mais quand même. Et un des trois organisateurs, c'est une collègue, je l'ai découvert avec effarement en préparant cette intervention, qu'en fait, c'est quelqu'un que je connais extrêmement bien. Donc c'est vraiment, et ce sont des gens... qui sont à gauche, enfin, c'est pas... c'est ça, la particularité. Il y a évidemment des gens qui sont à droite, mais beaucoup de gens qui se disent de gauche, qui portent ce genre de discours. Et donc, c'est difficile, depuis les États-Unis, de le comprendre si on ne passe pas, justement, par cet attachement. Voilà, on a un côté hussard noir de la République, quoi. C'est, on revient à une conception très rigide, en fait, et militante de la laïcité. Voilà. J'ai pas vraiment répondu à votre question, mais je voulais juste prolonger ce que vous avez dit. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Il y a encore une question. Peut-être qu'on pourrait répondre à cette question avant de prendre une pause. Vous le voyez, Laurence? Je vois beaucoup de questions. Je vois plusieurs questions. C'est la dernière. La dernière, c'est...
Donc, quand est-ce que la colonisation et le rôle des tirailleurs ou autres contributions positives des minorités seront enseignées à l'école en France ? Non seulement ça donne des modèles positifs, etc., mais cela montre aussi la contribution des minorités à la société, sans parler du fait de remettre les conséquences de la colonisation et de la globalisation au sein du débat sur l'immigration. J'imagine que c'est enseigné. Enfin, je pourrais poser la question à mes amis en France, dont j'en ai beaucoup qui enseignent au collège ou au lycée. J'imagine que c'est enseigné. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de romans en fait aujourd'hui qui portent sur ces questions-là. J'enseigne un cours à NYU en littérature contemporaine et le premier livre que nous lisons, c'est le terroriste noir, donc l'histoire d'un tirailleur sénégalais qui a fait de la résistance dans un petit village des Vosges, Thierno Monenembo. Il y a aussi un livre que j'ai lu récemment que je conseille, je pourrais vous donner les références, Frères d'âme de David Diop, qui lui prend le point de vue d'un tirailleur sénégalais. C'est un livre très difficile à lire, au moins le début c'est très violent. Mais ensuite, la dernière partie est très, très belle. Le début aussi, hein, mais bon, c'est un gros morceau. Voilà, il y a de plus en plus de livres portés par des voix importantes de la littérature francophone, je pense, qui permettent d'aborder ces questions à travers des extraits avec les étudiants. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je vais citer deux livres, mais il y en a d'autres. Bonjour à tous. Oui, c'est bon? Ok, super. Alors, on y va. Je vais aussi partager mon écran. Alors, évidemment, je vous remercie beaucoup à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir parler d'un film qui m'intéresse et qui, je pense, est intéressant pour nous en cours. Alors, j'ai un petit peu changé mon programme. Je voulais vous parler de deux films. Je vais en réalité surtout vous parler d'un film et j'évoquerai le dernier dans des mots de conclusion, mais on va surtout se concentrer sur le premier. Donc, ma présentation aujourd'hui, elle vise à interroger l'utilisation d'un film, en l'occurrence un court-métrage qui dure une vingtaine de minutes et qui donc par sa durée est quand même plus facilement exploitable qu'un long-métrage. Et l'objectif est d'utiliser ce court-métrage pour discuter des questions complexes de citoyenneté et d'identité française au pluriel. Donc, on va rester dans des thématiques qui ont déjà été discutées lors des deux premières communications. On va essayer de poser un débat à travers ce film, mettre en avant des thématiques et puis éventuellement réfléchir à des possibilités de comparaison entre les contextes français et américains. Alors, ma communication, ma présentation, elle se fonde sur mon expérience d'enseignement d'un cours de conversation intermédiaire 1 à Columbia, dans lequel j'ai effectivement montré ce film aux étudiantes, c'était que des filles, et on en a discuté par la suite, mais aussi un cours qui a été fait dans un cadre très différent, dans le cadre du French Heritage Language Program de la Fondation FAS, et donc ici avec des élèves de collège, et qui étaient pour la plupart des élèves francophone ou d'héritage francophone. Donc, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, hein, il s'intitule « Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux ». C'est un court-métrage qui date de 2017. Sa réalisatrice s'appelle Josa Anjembe. Elle est née en France en 1982 et elle est née d'un père camerounais et d'une mère française, ce qui sera important pour le contenu du film puisque c'est un film qui est au moins en partie autobiographique. C'est quelqu'un qui a d'abord fait une formation de musique, hein, donc c'est elle qui a composé la musique du film également, et qui par la suite est devenue journaliste. Elle a réalisé un premier film en 2010 qui était un documentaire. Ce documentaire s'appelle « Massage à la camerounaise », et c'est un documentaire qui parle d'une pratique au Cameroun, hein, qu'elle décrit, qui s'appelle la pratique du repassage, et qui suppose que les mères font des massages un peu très musclés sur les seins de leur fille pour éviter le développement des seins et éviter du moins, l'espère-t-elle, un certain nombre de violences sexuelles dont elle pourrait être l'objet. Donc, c'était le sujet de son premier film qui était vraiment un documentaire et pas un film de fiction. Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux est son premier court-métrage de fiction et il a été tourné en 2016 en Seine-Saint-Denis. Hein, donc, Josa Adjembe, elle est originaire de Seine-Saint-Denis, et le film a été tourné entre Bondy et Bobigny. Alors, pour ce qui est du parcours du film, c'est un film qui a connu un certain succès à l'année de sa,
de sa sortie ou de ses premières diffusions. Il a été projeté dans de nombreux festivals. Il a reçu le prix du public au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Et puis, il a reçu le prix HP Bridging the Borders à Palm Springs, en Californie. Il a été aussi, je sais, montré hein, à cette occasion, à ce moment-là, dans plusieurs classes de cours de français. Moi, je sais que j'ai quelques collègues qui l'ont utilisé. Et il est aujourd'hui disponible, enfin, il fait partie de la sélection Images de la diversité du Commissariat général à l'égalité des territoires, qui est donc un commissariat qui avait été créé hein, par le gouvernement français, qui a été rebaptisé Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, le film est disponible sur demande auprès de l'agence, mais aussi très largement sur Internet, en streaming, sur Dailymotion, etc. Et évidemment, tous ces liens d'accès au film seront visibles et accessibles quand je partagerai ma présentation avec vous. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire du film, on va voir un peu quelles sont les principales thématiques et ce qu'on peut en tirer hein, pour des discussions en classe. Donc, l'histoire d'abord, hein, à 17 ans, Sena, une adolescente d'origine camerounaise, se passionne pour l'histoire de la France, le pays qu'il a vu naître. Donc, son baccalauréat en poche et sa majorité approchant, Sena n'aspire qu'à une chose, acquérir la nationalité française, mais son père, Amidou, va farouchement s'y opposer. Donc, en ce qui concerne les thèmes hein, qui vont être traités dans le film et qu'on peut éventuellement évidemment traiter en classe, il y a les questions de migration et de citoyenneté française, les définitions des logiques de naturalisation, hein, vraiment légales de la naturalisation, la question du traitement des minorités en France et les débats sur la dite intégration et sur les héritages de la colonisation. Alors, je vais vous montrer la bande-annonce du film. Par la suite, je vais essentiellement vous montrer des images, en fait, hein, des screenshots du film, mais je voudrais quand même que vous voyiez la bande-annonce pour avoir une idée un peu à quoi ressemble le film. Hop. Et alors, on reprend. Et donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que j'ai effectué un découpage du film en certaines séquences. Donc, on va revenir sur ces différentes séquences qui vont à la fois nous permettre de comprendre mieux hein, les détails de l'évolution de l'histoire, les différentes thématiques qui sont traitées et comment ces thématiques sont traitées visuellement par la réalisatrice, hein, puisqu'on est dans un film de fiction avec un traitement visuel assez spécifique. Donc, je voudrais essayer aussi d'évoquer un petit peu ça. Donc, la première séquence, hein, qui correspond donc à un groupe de scènes qui, en fait, est le pré-générique du film. Donc, cette première séquence correspond donc à la présentation d'Amidou, qui est le père de l'héroïne du film. Donc, on voit d'abord Amidou, au petit matin, attendre le bus, puis pénétrer dans un entrepôt où il est accueilli par un jeune homme qui s'appelle Fabien. Ensemble, ils déchargent une camionnette, donc ils sortent de la camionnette des très lourds sacs qu'ils portent sur leur dos. Et dans la scène suivante, on comprend que ces sacs contiennent en fait des roses. Amidou explique à Fabien les gestes à effectuer pour effeuiller les roses et pour les rendre propres à la vente. Le personnage rentre ensuite chez lui dans son appartement, il se couche sur son lit et un carton annonce le titre du film, Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux. Donc, dans cette séquence qui est le pré-générique du film, les gestes d'Amidou sont filmés en très gros plan. On voit très peu le décor, on voit très peu son interlocuteur et le personnage d'Amidou est immédiatement montré comme une personne isolée, la mise en scène rendant compte de son isolement et de son sentiment d'étouffement. La deuxième séquence, c'est la présentation de Sena, hein, Sena étant l'héroïne du film, le personnage principal. Avant d'apparaître sur l'écran, Sena est d'abord introduite par le bruit d'un séchoir à cheveux, et la question, évidemment, la métaphore des cheveux va être centrale pendant tout le film. Et lorsqu'on la voit pour la première fois, elle est en train d'ajuster sa coiffure face à un miroir, donc ce qu'elle fait donc sur la photo que vous voyez ici, jusqu'à ce que son père l'appelle et lui demande d'enlever de son doigt une épine de rose hein, qui est coincée sous sa peau. Donc, alors que Amidou était présenté dans la première séquence comme un personnage taciturne et brusque, Sena, elle, apparaît enjouée. Elle est aussi responsable, c'est-à-dire que c'est elle qui, dans la famille, maîtrise le geste qui permet d'apaiser son père en retirant les épines coincées dans son doigt. Sur le plan visuel,
Les deux premières séquences s'opposent dans le traitement qui est proposé de la lumière. Le pré-générique a lieu dans l'obscurité, la pénombre, hein, qui dialogue donc avec le comportement du personnage d'Amidou. Et la scène de présentation de Senna est-elle lumineuse et en plein jour? Troisième séquence, il y a 8 séquences qu'on va regarder, je vous annonce un peu que vous ayez une idée de l'issue de la chose. Donc la troisième séquence dont on parlera ici, c'est la séquence des résultats du baccalauréat. Donc quand le film commence, c'est le jour des résultats du bac, et Senna est donc en train de consulter les résultats sur le panneau d'affichage de son lycée. Elle exulte, elle a obtenu la mention « très bien », alors que sa meilleure amie, elle, est destinée au rattrapage. Les deux filles rencontrent un de leurs camarades, que Senna semble apprécier, et il les invite à une fête chez lui le soir même. Dans la scène, parmi les adolescents présents, Senna est la seule jeune fille noire. Pendant la conversation avec ses amis, un plan circulaire va accompagner les paroles et les échanges entre les adolescents, et la caméra filme rapidement les amis et s'intéresse au visage de Senna et à sa réaction dans les conversations qu'elle mène avec ses camarades. La quatrième séquence, c'est vraiment le tournant du film. C'est donc une scène de repas de famille dans laquelle va s'instaurer un conflit. De retour dans son appartement, Senna est à table avec son père, sa mère et son petit frère qui s'appelle Djibril. La scène débute par une prière que vous avez vue au début de la bande-annonce. Dans cette prière, le père exprime sa fierté pour sa fille qui vient d'obtenir son baccalauréat et il lui offre ensuite un cadeau, qui est un chèque cadeau dans un institut de beauté. Puis la mère change le sujet de la conversation et elle introduit les visites récentes de Senna à la préfecture, puisque celle-ci souhaite demander sa naturalisation française. Son père réagit violemment à cette conversation, il refuse que sa fille devienne française et il se réfugie dans sa chambre à coucher où son épouse tente, entre guillemets, de le raisonner. Donc la scène contient quelques phrases chocs. Amidou dit « je ne donnerai pas ma fille à ce pays ». Tu te rappelles toutes les années où j'ai dû trimer parce que je n'étais pas assez français pour eux. Et lorsque Djibril demande à Senna pourquoi il ne peut pas être français et camerounais, celle-ci lui répond « c'est la loi, c'est comme ça, il faut choisir », ce sur quoi on reviendra tout à l'heure. Cinquième séquence du film, cette fois-ci Senna est à nouveau avec ses amis, elle va à la fête de ce fameux jeune homme dont elle semble éprise. Elle est d'abord donc couchée sur un banc avec son amie Chloé. Elle est pensive, elle explique à sa camarade qu'elle est préoccupée par son père et sa camarade lui répond « Franchement, tu te prends trop la tête, pour rien, au pire, tu iras voter au Cameroun. » Et puis la séquence suivante présente donc les deux jeunes filles à la fête. Senna danse seule au milieu de la foule, elle est un peu perdue, elle est encore la seule fille noire présente dans la fête. La caméra à l'épaule la suit, elle, au détriment des autres. Et puis pendant cette scène de danse, il y a un très long travelling avant qui l'isole encore plus au milieu de la foule. Cette scène faisant directement écho à la scène de pré-générique où là aussi, on a deux personnages qui, par des effets cinématographiques, des travelling ou des gros plans, sont clairement isolés de leur entourage immédiat. Sixième séquence, Senna, le lendemain matin, finit par subtiliser la carte de séjour de son père. Elle se rend à la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui est donc à Bobigny, pour faire ses papiers d'identité. Et pendant qu'on traite sa demande, on doit donc faire sa photo d'identité. Et il se trouve que sa coupe de cheveux dépasse du cadre de la photo. Donc la personne qui s'occupe de sa demande lui dit qu'elle est hors cadre, et c'est donc ce que vous voyez ici avec la photo, avec ici les cadres de la photo d'identité française et ses cheveux qui en dépassent. Donc à la suite de cet entretien à la préfecture, elle décide d'aller chez un photographe du centre-ville pour essayer de résoudre le problème, et elle, ce qui ne sera pas le cas, elle ne pourra pas trouver de solution au problème. Ici, sur le plan visuel, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on change complètement de décor. Jusqu'à présent, on suivait Senna principalement dans le lieu où elle habite, qui est donc une cité de Bondy. Là, elle est en centre-ville de Bobigny, donc on a des sons de cloches, des sons de passants, donc un environnement qui est beaucoup plus un environnement presque de village français. Septième séquence, il me reste donc deux.
Senna ne trouve pas de solution à sa faute d'identité. Donc, elle finit donc par se rendre chez un coiffeur, dans un salon de coiffure, où la coiffeuse, et c'est comme ça que la scène commence, pose donc cette serviette sur les épaules de Senna. Et le spectateur voit donc le rasoir qui parcourt la chevelure de la jeune fille. Quand la coiffeuse se dégage, fait un mouvement circulaire sur le côté, on retrouve Senna face au miroir avec ses cheveux qui tombent. Et il y a aussi un plan où ses cheveux tombent sur ses genoux. Et dans sa main, elle tient le chèque cadeau que lui avaient offert ses parents comme cadeau pour célébrer le bac. Donc cette scène ici, cette scène en particulier, cette séquence, fait directement écho à celle qui plus tôt introduisait Senna. Donc là encore, la jeune femme est face à un miroir qui reflète son identité. Entre la première et la dernière scène, Senna a été contrainte de changer. Et donc, pour devenir française, elle doit faire le deuil d'une partie d'elle-même qui est symbolisée par ses cheveux qui lui tombent sur les genoux. Enfin, huitième séquence, c'est donc le retour à la maison. On voit Senna qui est assise dans un train de banlieue, dans le RER. Elle a la tête posée sur ses avant-bras et en fait, la caméra la filme depuis l'extérieur du train. Donc, on voit sur la vitre du train les villes se refléter sur son visage et on comprend donc ce trajet entre le centre-ville et le quartier où elle habite. Dans sa main, elle tient les papiers de la préfecture, donc on comprend aussi qu'elle a effectué sa demande d'identité à la préfecture. Et puis la toute dernière scène du film, Senna se retrouve devant la porte de chez elle, elle frappe à la porte, son père lui ouvre la porte, elle lui tend ses papiers de la préfecture, son père la regarde et la prend dans ses bras et le film finit ainsi. Donc tout au long du film, la réalisatrice s'attache à montrer l'isolement des personnages qu'elle décrira elle-même dans un certain nombre d'entretiens comme étant des personnages hors cadre. Hamidou est isolé au petit matin dans un travail qui, on le comprend, ne le satisfait pas. Et Senna est la seule personne d'origine africaine parmi ses amis. Et même si elle semble mieux intégrée que son père dans son environnement, elle reste à part. Elle danse seule pendant la fête et sa chevelure dépasse des cadres d'une carte d'identité française. Alors, à partir de cette histoire, qui est donc montrée, que je vous ai découpée en différentes séquences et qui sont toujours accompagnées d'un processus visuel et de mise en scène, il me semble qu'il y a un certain nombre de thématiques qu'on peut discuter en classe et qu'on peut discuter donc avec des exemples concrets qui sont basés soit sur les dialogues, soit sur la manière dont le film est mis en scène. Donc la première thématique qui me semble intéressante est la thématique de l'éducation. Le film commence tout simplement par les résultats du bac, donc il me semble qu'on peut l'utiliser pour parler un peu aussi de ce système éducatif français. Donc, le film comprend plusieurs séquences où il fait mention du bac. Le baccalauréat est vu par la famille de Senna comme un moyen possible d'ascension sociale et d'intégration à la société française. Et ceci est d'autant plus évident que Senna projette d'intégrer Sciences Po, de faire des études de sciences politiques, ce dont elle parle beaucoup dans le film, et qu'elle ne cesse de mettre en avant l'histoire et les sciences politiques comme étant son champ de réflexion préféré. Donc, il me semble que plusieurs institutions françaises peuvent être discutées à l'occasion du visionnage du film, le lycée, l'université, Sciences Po, et évidemment aussi, on pourrait envisager une discussion sur la cartographie sociale des études supérieures en France et sur cette école en particulier prestigieuse que Senna veut intégrer et pour laquelle la question de l'intégration des minorités est une vraie question. Donc là, on a effectivement une thématique, une ouverture possible pour ces questions liées à l'éducation et aux études supérieures. Ensuite, évidemment, la deuxième question que pose le film, c'est la question de la naturalisation. Le film amène à poser clairement les questions du droit du sol et du droit du sang dans les contours légaux de la citoyenneté française. Alors, dans les cours, en général, moi, je lis cette question-là à une petite vidéo que je partagerai avec vous d'une série qui s'appelle « Un jour, une question », qui est une série de dessins animés pour les enfants qui parlent de phénomènes de société. Et il y en a un sur la question de la nationalité et de la naturalisation française et qui pose bien la différence entre les droits du sol et les droits du sang qui me semble intéressante. Donc, je partagerai ça avec vous, évidemment. Pour rappel, un enfant né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française.
Selon son âge et un certain nombre de conditions à remplir, il le peut en général à partir de l'âge de 13 ans. Donc ici, un Sénat à 18 ans, donc on est effectivement dans ce cadre légal. Alors, cette question de la naturalisation amène à parler de la double nationalité, qui est le cas le plus fréquent de la multinationalité hein, de par le monde, et à amener à aborder un cas spécifique qui est le cas du Cameroun. Alors, je ne suis pas une spécialiste du Cameroun, mais je vais quand même vous délivrer un petit peu ce qui me semble clair dans cette histoire et ce que j'ai compris dans cette histoire. Donc, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas la double nationalité. En Afrique centrale, c'est le cas du Cameroun et du Congo. Et en ce qui concerne le Cameroun, ceci est lié à une loi qui date du 11 juin 1968, donc quelques années après les indépendances, et qui instaure les contours de la nationalité camerounaise. Au Cameroun est donc reconnu le droit du sang, donc il faut être né de parents camerounais pour être camerounais, et le droit du sol, ou le droit du sol, hein, être né sur le territoire du Cameroun. Mais dans cet acte de loi, la double nationalité est immédiatement évacuée dans la mesure où elle suppose l'acquisition d'une nationalité étrangère entraîne immédiatement la déchéance de la nationalité camerounaise. Hein, donc dans le film, on est dans ce cas précis, hein, son Sénat est de nationalité camerounaise, et donc la double nationalité ne lui est pas possible. Ceci, pour aller vite, est lié au contexte post-indépendance au Cameroun, où différents groupes politiques s'opposaient. Un groupe politique a tenté un coup d'État contre Amadou Ahidjo, qui était le premier président du Cameroun indépendant. Et dans ce groupe politique, il y avait beaucoup de Camerounais de la diaspora. Donc l'idée était, semble-t-il, hein, de limiter l'accès à la nationalité pour un certain nombre de Camerounais installés à l'étranger. Donc tout ça est évidemment à remettre en question. Hein. L'histoire serait très différente si Sénat avait été sénégalaise. Hein. Donc on est vraiment dans ce contexte du Cameroun. Et donc, pour revenir à un dialogue dont je vous parlais plus tôt, hein, quand Sénat dit à son frère « c'est la loi, il faut choisir hein, », c'est vrai, dans le cas d'une double nationalité de ce type, devenir français hein, suppose perdre sa nationalité camerounaise. Alors, autre thème, hein, je voudrais en évoquer deux autres. Autre thème, la question du conflit des générations. Le film évoque les relations entre un père et une fille, et les rapports que chacun d'entre eux entretient avec la France. Donc, on a deux conceptions de la France qui s'opposent. D'abord, dans le cas d'Amidou, celle d'un pays d'accueil qui a parfois exploité ses immigrés. C'est ce que nous montre la première séquence du film, hein, où Amidou effeuille seul, dans toute sa solitude et son humiliation, des bouquets de roses. Et puis, on a une deuxième conception de la France, hein, qui est celle d'un pays de naissance. Sénat n'a jamais vécu au Cameroun, et prendre la nationalité française est donc simplement pour elle le résultat d'un désir d'acceptation et de reconnaissance vis-à-vis de ses camarades et vis-à-vis de sa propre histoire. Donc, le film parle bien de ce gouffre générationnel, et il me semble que c'est aussi une manière intéressante d'aborder la question de la citoyenneté et des migrations dans le contexte français. Et puis, le dernier thème, évidemment, que je voudrais évoquer avec vous, c'est le thème du hors-cadre, qui est un thème qu'on retrouve pendant tout le film hein, et dont parle la réalisatrice et dont elle a parlé dans le cadre d'une interview qui a été accordée à Radio France Internationale. Je vais vous lire juste une citation de cette interview. Dans cette interview, la jeune femme, donc la jeune réalisatrice, se souvient du jour où elle a voulu renouveler son passeport à la préfecture, hein, donc elle était de nationalité française, hein. Elle a voulu renouveler son passeport et où elle s'est elle-même retrouvée hors cadre du fait de sa coupe de cheveux. Donc elle dit, Josa Njembe, « Cette notion de cadre m'a d'une part interpellée, mais elle m'a aussi blessée, dans la mesure où je suis française, c'est incontestable. Certes, je suis multiple, j'ai des origines camerounaises, je parle douala, mais je ne comprends pas pourquoi on me dit que je suis hors cadre. Et donc, si on dresse un cadre, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le cadre. Ceux qui sont dans le cadre, ça va, c'est la majorité, ça roule. Et ceux qui sont en dehors du cadre, ce sont souvent les minorités. Donc, il faut les considérer. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Donc, la question du hors-cadre est vraiment la métaphore hein, qu'on suit dans tout le film, ainsi que la métaphore des cheveux, hein, qui est mise en avant par ce titre, le bleu, blanc, rouge des cheveux, de mes cheveux, pardon.
et qui me semble pouvoir donc être lié, hein, pouvoir permettre des discussions sur le traitement des minorités en France, et peut-être aussi hein, à établir une comparaison avec, avec la situation américaine. Donc, je ne vais pas revenir sur un certain nombre de questions qui ont été déjà évoquées plus tôt, notamment par Laurence, hein, et sur ce qu'on imagine être des modèles d'intégration différents en France et aux États-Unis, un modèle d'intégration à la française qui s'opposerait à un multiculturalisme plus américain. Tout ça, ce sont des questions évidemment complexes et qu'on est très souvent amené à aborder en classe. Mais il me semble que le film, parce qu'il raconte une histoire, permet d'asseoir ces discussions sur des exemples un peu concrets et qu'à partir du film, on peut réfléchir à quels sont les marqueurs des identités qu'on voit en place, qu'on voit ici, et puis surtout comment ces marqueurs des identités vont varier selon les personnages, selon leurs intérêts, selon leur vie et selon leur génération. Et je crois que le film permet aussi de mettre en avant cette question des générations. Alors, je voudrais juste finir en deux mots, où j'en suis ? Ouais, finir en deux mots pour vous dire que... Moi, ce film, je l'ai montré dans plusieurs cadres. Et évidemment, les débats qui sont nés dans les deux cadres ont été très différents. Dans le cadre du programme French Heritage, French Language Heritage, évidemment, j'avais en face de moi beaucoup d'étudiants, d'élèves, qui ont été, qui soit sont directement confrontés à cette question de la double nationalité, soit en ont une histoire familiale. Et donc, la conversation a en fait bifurqué très rapidement sur... non pas tellement sur la France, mais aussi beaucoup sur cette question de double appartenance nationale et donc sur la question du Cameroun et du rapport à l'identité et à la citoyenneté. Donc, avec eux, hein, on a du coup été amené à partir du film à parler certes de ce qu'était véritablement le sujet du film, mais aussi aux questions des héritages de la colonisation, des constructions d'identité double, et même aborder les débats comme ceux de la France-Afrique. Donc, on est vraiment allé dans cette direction-là. Avec les étudiantes de Columbia, la question a été quand même plus liée à des rapports de facture du film, de fabrication du film. Elles ont été très interpellées par le fait que, l'histoire du film soit liée au parcours personnel de la réalisatrice, et quelque chose qui lui est arrivé. Et donc, je ne vous cache pas que j'ai essayé de trouver la réalisatrice pour qu'on puisse faire une séance avec elle sur Zoom, pour qu'elle puisse lui poser des questions, ce qui n'a pas été possible. Mais bon, je me suis servie un petit peu d'un autre film, qui est le film dont j'avais prévu de vous parler aujourd'hui et que je ne vais pas évoquer pour des questions de temps, mais qui s'appelle « Une vraie danseuse ne peut pas se tenir » et qui est une discussion sur un parcours d'une danseuse sénégalaise en France et qui aussi est liée, dans lequel on retrouve aussi des problèmes de naturalisation, de questionnements légaux sur l'identité. Et donc, on s'est servi de ce film pour faire des comparaisons et pour travailler plus en particulier sur la question des générations dans la migration. Donc, éventuellement, la prochaine fois, je vous parlerai de ce film plus en détail. Je voulais juste finir pour vous le mentionner, parce que c'est un film qui est aussi très intéressant pour parler de ces questions, et avec cette fois-ci une relation entre la pratique artistique et la question des identités africaines et, au pluriel, et françaises au pluriel aussi. Voilà, je finis. Merci beaucoup, Pauline. Je veux dire que j'ai vu ce court métrage, et c'est vraiment court, hein, ça ne dure qu'une dizaine de minutes, avec ma collègue Jasmine, il y a un mois à peu près. On était tellement émue. Donc, on a des questions, peut-être Pascal, on pourrait commencer par toi. Tu as une question ? Non, ça va. OK, donc les questions dans le chat. Oui, très envie de voir le film. C'est facile à trouver. Hein, c'est sur Google, c'est gratuit. Regardez ça ce soir, même après. Hein, c'est tellement émouvant et puissant. Et je crois que ça marcherait très, très bien dans les cours. Hein. Et quelle belle introduction hein, avant de regarder le film. Je vais revoir maintenant et écouter ce que vous avez dit. Bon, maintenant, on va passer à l'environnement. Avec Sophie Quenier. Merci Sophie et merci encore Pauline. Bonjour tout le monde. Merci aux organisatrices de ce colloque.
Shani Peer, Fanny Gay, Polly Duke, Heidi Olsnudsen et Pascal Hubert-Lebler, et aux participants, bien sûr, et à tout l'auditoire. Merci de venir un samedi matin comme ça. Alors, je vais partager mon écran. Donc, si vous êtes comme moi et que à chaque fois que vous entendez des nouvelles au sujet du réchauffement climatique, vous oscillez entre des sentiments d'angoisse, de peur, d'impuissance ou n'en pouvant plus que vous prenez l'attitude de l'autruche qui a enfoui la tête dans le sable en bloquant toute information, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 2 ou 3 mois de cela, j'ai découvert le livre de la climatologue canadienne Catherine Hayhoe. Après avoir entendu un entretien à la fois très objectif, rationnel et plein d'espoir qu'elle donnait sur NPR lors de la promotion de son livre, qui est sorti en septembre. Alors, j'ai couru à la bibliothèque de mon quartier pour l'emprunter et la lecture de ce livre m'a vraiment redonné le courage et l'espoir d'agir pour l'environnement. Alors, son livre est en fait la continuité d'un TED Talk qu'elle a donné en novembre 2018 où elle cite des chiffres absolument fascinants. Elle dit qu'en 2016, le Yale Program on Climate Change Communication a mené un énorme sondage sur l'opinion des Américains sur l'environnement. Et 70% des Américains sont d'accord avec l'idée que le climat se réchauffe. Que 70% sont d'accord avec l'idée que ce réchauffement nuira aux générations futures. Ça commence un peu à baisser. 60% pensent que cela affectera les États-Unis, mais que 40% seulement pensent que cela les affectera personnellement. Les chiffres les plus intéressants pour moi, c'est que 2/3 des gens interrogés disent ne jamais en parler. Et que 3/4 des gens interrogés par cette équipe a déclaré que les médias n'en parlaient pas, selon eux. Donc, la mission, je dirais même la croisade de cette climatologue, c'est d'en parler le plus souvent et au plus de gens possible. Parce qu'elle dit que, en fait, les solutions sont déjà pratiquement toutes là. Et qu'il il manque juste la volonté politique et que donc plus les gens le sauront et plus ça se mettra en place. Et alors, elle nous explique dans son livre et dans le TED Talk qu'on ne peut pas utiliser la peur pour motiver les gens et elle s'appuie sur beaucoup d'études psychologiques et elle dit que la meilleure façon d'en parler, c'est d'offrir une vision positive du futur et surtout d'évoquer les solutions qui sont déjà à notre disposition et elles sont extrêmement nombreuses, ce que j'ai appris dans son livre. Je ne pensais pas que beaucoup de solutions étaient déjà là. Alors, cette longue introduction pour en venir à ma présentation, pour parler de l'environnement, donc à mes étudiants, au plus de gens possible, j'en parle dans le cours intermédiaire 1, c'est-à-dire le 3e semestre de français. Et j'ai choisi, entre autres, d'utiliser le documentaire « Demain » à cause des solutions qu'il propose. Alors, « Demain » est un documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent en 2015. Et c'est d'ailleurs grâce à Shani Peer que je l'ai découvert, puisqu'elle l'avait présenté à la Maison française il y a quelques années. Alors, Demain est un documentaire de 2 heures, hein, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez montrer en classe, mais vous pouvez demander aux étudiants de regarder ça avant, ou, comme je le fais, leur demander de regarder des extraits. À Columbia, il est disponible sur le site de la bibliothèque Butler, si vous avez un compte à Columbia, c'est le site de streaming Canopy. Alors, Cyril Dion, c'est donc l'un des réalisateurs, est aussi écrivain et poète. Il a réalisé plusieurs documentaires écologistes, hein, c'est pas le seul.
Mélanie Laurent, quant à elle, c'est une actrice que vous connaissez sûrement du film de Tarantino, Inglourious Basterds. Elle est aussi chanteuse et donc réalisatrice. Alors, Cyril Dion et Mélanie Laurent expliquent au tout début de leur documentaire que l'idée de faire ce film leur est venue après avoir entendu les projections pessimistes de l'article scientifique dans la revue Nature en 2012 sur l'avenir de la planète. Mais plutôt que de présenter des faits scientifiques terrifiants, ils ont préféré axer leur documentaire sur les solutions qui existent déjà et viennent des mouvements citoyens de base. Le documentaire s'organise autour de 4 grands axes. Le premier, c'est l'agriculture, parce qu'ils expliquent que sur une planète où il y a de plus en plus d'habitants, l'eau et la nourriture vont venir à manquer. La deuxième partie, c'est sur l'économie. Comment repenser l'économie pour éviter des crises comme en 2008. Et ça, on voit dans leur thème que ça rejoint un peu l'idée de diversité agriculture et la diversité économique. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui parlent contre la monnaie unique dans le documentaire. Le troisième axe, c'est la politique, où est promue plutôt la participation citoyenne. Il donne l'exemple de l'Islande. Et le dernier pan, c'est l'éducation, parce que plus les gens sont éduqués et plus les effets sont avantageux sur l'environnement, sur la surpopulation, sur plein de choses. Donc, l'avantage de ce documentaire dans un cours de français, c'est qu'il propose donc ces solutions. Parce que si on veut parler de l'environnement à nos étudiants, plutôt que de les bombarder de chiffres complètement déprimants, c'est bien de leur montrer des solutions. Alors, l'inconvénient de ce documentaire, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'extraits en français. Mais je vais vous présenter dans les quelques minutes qui suivent la façon dont j'exploite à la fois les extraits en anglais et les 2 extraits en français principaux sur l'agriculture urbaine et sur l'industrie environnementale. Alors, on pourrait penser qu'un thème tel que celui-là est un peu trop difficile en troisième semestre de français, mais je le présente déjà à la fin du semestre et les étudiants en général, ont de très bonnes conversations, sans passer à l'anglais. Pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment j'ai pas senti de problème de participation. Alors, ceci dit, ce qui est clé, à mon avis, pour aborder ce sujet et le documentaire, c'est tout le travail en amont qu'il faut faire sur le vocabulaire. D'accord ? Vos étudiants, vous le savez autant que moi, ne peuvent pas discuter d'un thème comme l'environnement s'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire. Avant de présenter le documentaire, bien entendu, je passe, je dirais, au minimum 2 jours sur le vocabulaire de l'environnement. J'ai une toute petite anecdote qui m'a fait plaisir ce semestre, le semestre passé, à l'automne, lors d'une des activités de pré-écoute. Donc, après avoir étudié le vocabulaire et avant de regarder le documentaire, je demande aux étudiants en pair de commencer à réfléchir en avance. Si on va vous parler de l'agriculture urbaine, quels sont les thèmes, à votre avis, qui vont être évoqués? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous savez là-dessus, etc. Une étudiante en particulier, après la conversation qu'elle a eue avec son partenaire, est passée à l'anglais, ironiquement, et a dit: I can't believe I just had this long conversation in French about urban agriculture. Donc, juste pour vous dire que s'ils ont le vocabulaire, ils peuvent parler de tout ça et bien comprendre le documentaire. Ici, c'est
le document Word que je partagerai dans la messagerie avec vous à la fin de ma présentation. Il fait à peu près 12 pages, mais vous verrez que bon, bah, c'est inévitable hein, si on veut bien préparer les étudiants et les faire pratiquer, etc. Et j'ai mis des marque-pages tout en haut, et à chaque fois que vous cliquez sur ces liens, ça vous amène à la partie explorer. Alors, donc je vous montre ici, c'est le vocabulaire et les exercices sur l'environnement que je présente pendant 2 jours avant de regarder le documentaire. Donc, c'est un vocabulaire assez général, parce qu'en fait, on ne traite pas que de l'agriculture urbaine et de l'industrie écologique. On parle aussi de l'alimentation, du gaspillage alimentaire, de la plantation d'arbres, etc. Donc, voilà le vocabulaire organisé autour de verbes, problèmes, solutions. Ensuite, quelques exercices pour pratiquer le vocabulaire sur l'environnement. Donc, ce n'est pas très important, vous verrez ça vous-même. Alors, ici, ce sont mes idées d'activités, mes idées d'exploitation du début du documentaire. Donc, c'est en anglais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec en classe? Alors, au début du film, les réalisateurs interrogent 2 professeurs de Stanford, Liz Hadley, qui est biologiste, et Tony Barnowski, qui est paléontologue, et qui sont tous les deux les coordinateurs de l'étude publiée dans la revue Nature. Alors, ce que je fais, donc je propose, vous pourriez faire des exercices de traduction. Alors, bien sûr, pas tout le passage, hein, ce serait trop long, mais peut-être limité à quelques phrases qui utilisent le vocabulaire que vous avez appris. Vous pouvez aussi demander aux étudiants de résumer en français, ou vous pouvez faire un exercice de dictée avec des blancs, hein, tout simplement. Alors, j'ai écrit le script et j'ai donné mes propres traductions. Alors, vous êtes libre de modifier cette traduction si vous n'êtes pas d'accord avec mes talents de traduction, de traductrice. Donc voilà, donc ça, ce sont des idées d'exploitation de ce passage en anglais. Voici un exercice de vocabulaire que j'utilise pour en fait résumer cette introduction avec les mots qu'ils ont appris précédemment. L'autre extrait en anglais que j'utilise, c'est sur l'agriculture urbaine, parce que les réalisateurs vont à Detroit dans le Michigan et à Todd Morden en Angleterre, où ils rencontrent des gens de la ville qui ont créé, avec les plans sur les trottoirs ou entre, alors à Detroit, c'est dans tous ces quartiers abandonnés, qui ont créé des jardins et où ils peuvent nourrir les gens gratuitement. Ou bien peut-être pour eux-mêmes, ou bien ils les vendent dans des marchés locaux pas très chers. Mais des solutions à la pénurie alimentaire dans les villes. Alors, voici les questions de pré-écoute que je propose à mes étudiants. Donc, ils ont un petit temps de conversation en classe. Quels sont les principaux problèmes liés à la surpopulation dans le monde? À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de l'agro-industrie? Où devrions-nous faire nos courses pour être écologiques? Avez-vous déjà fait pousser des légumes ou des fruits? Racontez-nous votre expérience. Donc, vous voyez, il y a aussi des questions qui sont assez faciles et basiques et ce qui est intéressant pour la deuxième question, c'est qu'on voit dans la conversation avant et après que le documentaire va changer leur idée sur l'agro-industrie. Je leur donne un petit peu de vocabulaire supplémentaire hein, qui n'était pas fourni dans le vocabulaire de base de l'unité 4. Et ensuite, eh bien, ils ont des questions. Alors, je leur demande de résumer en français hein, pour la conversation en classe et leur demander quelle information les a surpris, les points communs entre les extraits qu'ils ont regardés.
Ensuite, au sein de cet extrait sur l'agriculture urbaine, il y a un extrait en français, en fait, d'une ou deux minutes, par un envoyé spécial aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, qui s'appelle Olivier de Schutter. Donc, j'exploite ce passage, puisque c'est en français. Je fournis un peu de vocabulaire, donc avec des questions, je passe. Et enfin, je vais vous parler des deux extraits en français. Je vais vous montrer quelques minutes. Donc, pour l'extrait sur la permaculture, je leur donne du vocabulaire utile. Donc, avant de répondre à des questions de compréhension, je leur donne du vocabulaire qu'ils pratiquent dans des petits exercices de vocabulaire. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs exercices qui manquent. Je les ajouterai un peu plus tard. Je vous donnerai cette version dans la messagerie, mais je donnerai à Fanny tous les exercices. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des exercices qui ont disparu. Pour l'extrait sur l'industrie écologique, donc également des exercices de pré-écoute, des exercices de vocabulaire. Et une fois qu'ils ont bien pratiqué ce vocabulaire, des questions de compréhension après avoir regardé l'extrait. Et donc, en classe, ça donne des conversations extrêmement riches et les étudiants sont tout à fait capables de comprendre l'extrait sans sous-titres même et d'en parler. Alors, je voulais juste finir en vous donnant la liste de tous les passages en français qui existent dans le documentaire. Hein. Il n'y a pas que ces deux extraits. En fait, je vais partager plutôt. Voilà. Donc, il y a un extrait qui se passe à l'île de la Réunion avec le président d'Akio Energy sur l'alliance de l'agriculture et de l'énergie renouvelable. Il y a un extrait avec Thierry Salomon, qui est un ingénieur énergétique et président de l'organisation Negawatt, qui parle de limiter le gaspillage énergétique. Pierre Rabhi, qui parle des problèmes du capitalisme. Bernard Lieter, économiste contre l'idée d'une monnaie unique. Hervé Dubois, qui est directeur de la communication à la Banque WIR, à Bâle en Suisse, qui fabrique une monnaie complémentaire. Et enfin, David Van Reybroek, qui est historien, archéologue et écrivain, et qui parle au sujet de la politique, qui dit que pour assurer un véritable système démocratique, il faudrait faire un tirage au sort plutôt que d'organiser des élections. Alors, je vais partager à présent dans la messagerie mon document. Alors... Voilà. Ah, c'est tellement sympa. Merci beaucoup, Sophie. De rien. tous les profs d'AP sont ravis maintenant parce que on a tous une unité à faire sur l'environnement et vous avez un document tellement détaillé. Qui va fournir beaucoup de profs d'appeler leurs unités en fait justement. C'est le but. Mon témoignage à la présentation de Sophie, j'ai enseigné ce qu'a fait Sophie plusieurs fois parce qu'on enseigne le même cours. C'est toujours l'unité préférée des étudiants. Et le commentaire le plus positif, et Sophie est très modeste, mais le commentaire le plus positif que j'entends à chaque semestre. C'est génial parce qu'on apprend plein de choses en plus du français. Non seulement on apprend du français, mais en plus, on a découvert énormément de choses qui vraiment changent aussi notre vie quotidienne parce qu'on discute aussi. Là, Sophie a montré juste la partie sur demain, mais elle a développé énormément d'autres
exercices à partir d'autres vidéos qui permettent aussi aux étudiants de prendre conscience de leur, du gaspillage, par exemple, dans la vie quotidienne. Et voilà, je voulais témoigner et rendre, voilà, féliciter aussi Sophie. Voilà, merci. Alors, c'est un enseignement moral et aussi français, donc merci pour ça. Je peux rajouter quelque chose. Alors, moi, je vais enseigner ça pour la première fois dans quelques semaines, parce que bon, on a recréé le cours intermédiaire ensemble. Et ça, c'est Sophie, c'est sa contribution. Je voulais juste dire que c'est vraiment une bonne idée, en fait, parfois, à un niveau où les étudiants ne sont pas quand même très, très à l'aise en français, de leur montrer un film où il y a beaucoup d'anglais. Parce que bon, ça leur permet de vraiment raccrocher sur le sujet. Et puis, l'important, c'est qu'ils en parlent ensemble. Et aussi pour les personnes qui, je pense qu'on est très nombreux à vouloir aborder ces questions, si on n'a peut-être pas accès au film ou si c'est un peu compliqué, il y a des tonnes de ressources en ligne qui sont vraiment sympas et qui sont beaucoup plus courtes. Alors, je vous en mets quelques... Enfin, je peux essayer de vous envoyer quelque chose dans le chat, un document. Et il y a particulier sur la... sur France TV, donc, que j'ai recommandé donc, à tout le monde, il y a une rubrique qui s'appelle « Ils ont la solution ». Alors, c'est des petites vignettes où on présente, par exemple, que dans une commune du nord de la France, on a décidé de ramasser des poubelles avec un chariot qui est tiré par un cheval. Il y en a d'autres qui ont décidé de créer une épicerie de campagne mobile dans une camionnette, dans un endroit où il n'y a plus de commerce. Il y a quelqu'un d'autre qui a créé un jardin qui fait par exemple tondre les mauvaises herbes dans les vignes par des moutons de l'éleveur à côté. Il y a énormément de petites vignettes comme ça qui sont des micro-actions qui peuvent, à l'échelle locale, permettre de moins gaspiller, de moins polluer. Et il y a aussi un autre site que j'aime bien qui s'appelle Energy Observers qui présente une quantité alors là, d'actions industrielles pour lutter contre... de gaspillage, de la pollution, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources comme ça et c'est, on devrait même faire des cours de langue entièrement axés là-dessus. Voilà. Il y a une question que je trouve assez intéressante et c'est est-ce que ce serait bénéfique d'éviter les débats polémiques? Et à mon avis, absolument pas. C'est précisément ces sujets qui intéressent nos étudiants, n'est-ce pas? Ben justement, moi, je répondrai avec le livre de Catherine Hayhoe. C'est qu'elle explique c'est que le problème avec l'environnement, par exemple, c'est que c'est un sujet très polarisé parce que c'est idéologique et politique, malheureusement, alors que ça ne devrait pas l'être. Et qu'elle dit que en fait, il faut partir de ce qui nous concerne tout, de ce qu'on a en commun. Et si on rencontre les étudiants à ce niveau-là, il y a plus de chances d'accrocher. Le semestre dernier, alors normalement, en général, les étudiants sont au courant de la crise de l'environnement et en sont conscients. Mais le semestre dernier, dans mon cours, j'avais un jeune homme dont le père était agriculteur dans le sud des États-Unis. Et il a très mal pris le passage sur l'agriculture urbaine, qui critique énormément l'agro-industrie, les pesticides, etc. Et j'ai essayé de dialoguer, de montrer les faits, de donner des statistiques, mais sans l'aliéner. Mais si on voit ce qu'on a en commun pour l'avenir de tous, je crois que c'est nécessaire. Il faut surtout pas l'éviter, quoi. Il y a une question. Est-ce que c'est trop difficile de parler de ces sujets avec des élèves qui n'ont pas un très haut niveau linguistique? Et je pense que, comme vous avez déjà montré, si on donne des données, si on donne le vocabulaire, etc., c'est bien possible. Moi-même, au niveau 3, c'est-à-dire ce sont des étudiants en seconde, on a fait un débat des candidats présidentiels. Donc, c'est possible. Sur l'immigration, enfin,
Donc, chaque personne, chaque étudiant représentait un candidat, une candidate. Et c'était très sympa et c'est possible. Il faut quand même donner des données avant. Et comme vous avez très bien fait. D'autres questions avant de... Tout le monde, et merci à la Maison française, Fanny Chani, merci à Polly et la ATF pour ce moment où nous allons vous inviter chez nous, n'est-ce pas? Donc, bienvenue chez moi. vous avez Marc Chagall derrière moi. Voilà, donc mon sujet, c'est l'écoféminisme. La raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce que j'ai lu, je pense, lors de la marche pour le climat l'année passée, ce terme, j'ai lu un article et il y avait ce terme et je me demandais pourquoi il fallait que les féministes soient écologistes, écologistes. Je ne comprenais pas trop l'articulation, je me demandais pourquoi il fallait un mot valise pour définir les femmes et l'écologie. Donc j'ai fait des recherches et je me suis dit que ça pouvait être... quelque chose qui peut être un départ pour justement un cours de conversation, par exemple. Alors, je le conçois comme un cours de conversation, mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser lorsque vous abordez le chapitre sur l'environnement. Hein, et comme vous a expliqué Sophie, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, qui intéresse beaucoup et qui est évidemment actuel. L'autre raison, puisque je peux aussi vous donner une anecdote, ma fille et moi avons regardé le film « Don't Look Up » et ma fille s'est posée plein de questions et c'est, l'environnement est très présent chez nous en ce moment et continue à l'être évidemment. Et puis je me suis dit que je pouvais parler de l'écoféminisme un petit peu plus en classe et j'ai organisé ceci sur 2 jours. Donc un cours de conversation où le premier jour on commencerait à définir un peu certains termes. Donc écologie, féminisme, écoféminisme. J'ai aussi pensé faire un exercice sur les mots-valises. L'idée de ces mots-valises, que j'adore ce terme d'ailleurs, mots-valises, je trouve ça adorable. Et puis, le premier jour, c'est aussi le moment de visionner les 2 premières vidéos. Dans ma présentation, je vais parler de 3 vidéos. Donc les 2 premières, je propose de les voir dans une salle de classe et la 3e serait, parce qu'elle est plus longue, serait comme devoir à faire, donc de visionner et de répondre à des questions pour le lendemain. Et le lendemain serait un moment où l'on discute, où on dégage certains thèmes. Et évidemment, si vous êtes dans l'environnement, je ne sais pas si c'est le même cas dans vos manuels, mais dans le mien, c'est en général, ça va de pair avec le subjonctif. Donc, il y a plein de choses que l'on peut travailler quand on parle d'environnement. Donc, le premier jour, je poserai la question aux étudiants, comment définissez-vous ces 4 termes, tout en leur donnant évidemment des définitions qu'ils puissent finir la journée avec des définitions très claires sur l'écologie, sur le féminisme, et puis leur demander s'ils connaissent l'écoféminisme et d'après eux, quelle est la définition de l'écoféminisme? Alors, d'après le dictionnaire Larousse, l'écoféminisme articule les revendications en faveur du droit des femmes, et c'est moi qui ai mis entre parenthèses, et des hommes, vous verrez pourquoi plus tard, à la préservation de la nature, et c'est une façon de lutter contre le système patriarcal et capitaliste qui détruit l'environnement et est très important, oppresse les femmes. Et j'ai mis entre parenthèses et les hommes, parce que l'écoféminisme a évolué. Bien, destroy the patriarchy, not the planet. Voilà, c'est quelque chose qui est bien parlant. Alors, à partir de ceci, vous pouvez passer à l'écoféminisme, c'est-à-dire à regarder déjà la première vidéo.
Mais moi, je voulais aussi parler du terme mot-valise, déjà de le définir, hein. Mot résultant de la réduction d'une suite de mots à un seul mot qui ne conserve que la partie initiale du premier mot et la partie finale du deuxième ou du troisième, ça dépend. Voici des exemples que vous connaissez certainement. Adolescent, d'adulte et adolescent, bobo, courriel, etc. Je ne savais même pas qu'informatique, c'était information automatique, évidemment, mais je n'y avais pas pensé. Et motel, ça vient de l'anglais moteur, hôtel, hein, motor, hôtel. Et puis, évidemment, il y en a tout plein. Vous pouvez leur demander s'ils connaissent des mots-valises. Et puis, évidemment, un des grands inventeurs français qui crée aussi des néologismes, c'est Gaston Lagaffe. Et vous voyez ici, il appelle ça le gastomobile. Ça lui permet de se déplacer dans les bureaux tout en restant assis. Voilà. Alors, je vous mets à contribution dans cette présentation. Attention, un mot valise. Est-ce que vous pouvez deviner ce mot valise? C'est un nom féminin. Et c'est une moutondeuse, voilà. Donc, ça, vous savez que les enfants adorent faire ces néologismes, créer de nouveaux mots, c'est intéressant. Et justement, je vous demande, comme petit devoir à faire dès maintenant et durant ma présentation, d'inventer un mot valise. Voilà, vous allez, j'aimerais bien que vous contribuiez à cette présentation et que vous écriviez, enfin, vous allez inventer un mot et vous allez l'écrire dans le chat si vous avez le temps. Je trouvais ça sympathique. Voici mes trois vidéos, je crois qu'on vous les met dans le chat pour être sûr que vous les avez et surtout au cas où les déesses et les dieux de la technologie ne sont pas avec moi, vous avez au moins ces trois vidéos. Alors, je vous explique mon choix de vidéos. Parce qu'elles se complètent en fait, elles partent, si vous voulez, du plus simple au plus subtil. Dans ma première vidéo, je vous montrerai un petit extrait, Françoise Daubonne, militante féministe à l'origine de l'écoféminisme, hein, c'est le titre de la vidéo, c'est Françoise Daubonne qui a théorisé l'écoféminisme, qui parle. Dans la deuxième vidéo, et c'est un extrait que je prends, mais toute la vidéo est très intéressante, puisqu'elle parle des révolutions féministes du MLF au mouvement MeToo, hein, et je donne seulement un extrait parce que je pensais, en fait, utiliser ces deux vidéos le premier jour. Et puis l'extrait, justement, parle de l'écoféminisme et elle montre comment l'écoféminisme s'imbrique dans toutes ces révolutions féministes. C'est très intéressant. Et la troisième vidéo, celle que je propose à mes étudiants de visionner comme devoir, elle est très intéressante parce qu'elle parle de nouveau un petit peu de Françoise Daubonne, mais elle explique un petit peu quels sont les enjeux de l'écoféminisme. Donc, elle définit, mais quels sont les enjeux. Et elle est assez complète. Elle dure à peu près 6 minutes 30. La dernière minute et demie, c'est pour parler de livres à lire, pour continuer à comprendre ce qu'est l'écoféminisme. Et j'aime beaucoup cette vidéo. En plus, c'est trois vidéos que vous trouvez facilement sur YouTube, donc vous pouvez ralentir le rythme. Et aussi, vous avez en tout cas les deux vidéos, vous avez déjà des sous-titres qui sont à l'intérieur de la vidéo, et la troisième, eh bien, il faut toujours faire attention à ces sous-titres, mais si vous ralentissez, c'est assez clair. Voilà, donc pour la première vidéo dont j'ai fait mention tout à l'heure, elle est de 1972, et on voit Françoise Daubonne qui parle, et c'est très intéressant, donc je l'utilise, et chaque vidéo, si vous voulez, à une liste de vocabulaire et des questions. Donc, c'est pour ça que je vous présente plutôt un plan de leçon plutôt qu'un
une grande explication, une grande présentation. Voilà la liste de mots de vocabulaire. Évidemment, suivant le niveau, il faut le leur donner, ou bien vous pouvez leur demander de chercher. Voici la vidéo, et si tout marche bien, parce que je ne vois pas le chat, voici Françoise Daubonne à l'origine de l'écoféminisme. Alors, on va écouter un tout petit passage, à peu près 2 minutes, mais vous voyez que la vidéo fait à peu près 3 minutes 40. Hein. Voilà, c'est assez clair, mais on va continuer avec des questions. Donc, ce serait un matériel que je donnerai évidemment en classe. Pouvez-vous décrire Françoise Daubonne? Sur quel ton parle-t-elle? Quel est le comportement de l'homme qui se trouve à côté de Françoise Daubonne? Si vous regardez la vidéo, il commence à sourire et de manière un petit peu... On peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il sourit à ce moment-là, mais c'est le début de l'écoféminisme. D'autres questions qui sont carrément directement sur la vidéo, mais aussi des questions de réflexion. Le deuxième extrait, la deuxième vidéo est un extrait, pardon. C'est un TED Talk, donc c'est les révolutions féministes du MLF au mouvement MeToo. C'est très intéressant, donc c'est peut-être aussi une vidéo que vous pourriez demander à vos étudiants de regarder à la maison. Mais parce qu'elle parle justement de cet écoféminisme qui est imbriqué dans d'autres mouvements féministes, et tous les mouvements sont intéressants, et ça fait sens, comme on dit. Et elle parle évidemment de Françoise Daubonne. Donc je vais, si possible, vous montrer juste la partie de 12 minutes 40, mais je vous montre déjà que j'ai le vocabulaire pour cette deuxième vidéo, et voici, on y va. Comme je le disais, il y a aussi des questions après avoir visionné cette deuxième vidéo et qui évidemment peut engendrer des débats. Et comme je vous ai dit au début, ces trois vidéos, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez montrer une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, les trois vidéos. J'ai suffisamment de matériel pour ces trois vidéos, mais je pensais que la troisième vidéo était peut-être la plus intéressante dans le sens qu'elle est plus complète et elle résume bien ce qu'est l'écoféminisme et ses enjeux, c'est-à-dire que peut-être qu'au lieu de parler d'écoféminisme, on pourrait parler d'écoféministe. Enfin, il y a de très bonnes questions et à mon avis une très bonne explication. On va la regarder en entier. Et pour cette vidéo aussi, j'ai préparé du vocabulaire et des questions, mais je tiens à annoncer déjà, puisque c'est dans la vidéo, mais je trouvais intéressant que l'écoféminisme n'est ni un écologisme féministe, ni un féminisme écologique. Alors déjà, je trouvais un petit peu difficile de comprendre les différences, mais grâce à cette vidéo, on comprend bien ce qui se passe. Voilà. Liste de vocabulaire, vous voyez que la liste n'est pas aussi importante. Regardons, si vous voulez bien, cette vidéo, donc à peu près 6 minutes. Après, je vais vous parler justement de la partie du deuxième jour, c'est-à-dire le moment où on peut en discuter en classe et quelle sorte de débat on pourrait avoir par rapport à cette vidéo ou les trois vidéos, comme vous voulez. On y va. Voilà, donc les conseils sont des livres que je vous conseille de regarder après en visionnant toute la vidéo. Voici des questions après avoir vu la troisième vidéo. Donc, ce sont des questions directement liées à la vidéo, mais j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que cette vidéo est vraiment très, très bien faite. Voilà, donc après avoir visionné là ou les vidéos, donc vous regardez combien de temps vous voulez accorder à l'écoféminisme. Pour moi, ça touche tellement à l'environnement que c'est quelque chose de très intéressant.
Je poserai la question à mes étudiants s'ils ont des commentaires, des réactions. Et puis, peut-être que ce débat ou cette question de l'écoféminisme peut nous faire parler d'autres choses comme la marche pour le climat, Greta Thunberg, les éco-gardes. Je vous montrerai une photo dans un moment de ce qu'est un ou une éco-garde. Poser la question un peu provocatrice, êtes-vous écoféministe ? Oui, non, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-on vivre dans un monde sans domination et sans exploitation de la nature des femmes, des minorités ? Et on peut marquer d'autres choses, des hommes, etc. Donc, ça peut engendrer un débat intéressant. J'ai aussi des photos. Celle-ci, ça vient de France 24, qui a une rubrique qui s'appelle Actuel, qui est très intéressante, et ce sont des vidéos assez courtes, et j'ai voulu montrer ce que c'était qu'une éco-garde. C'est en fait une garde dans un parc national dans la République du Congo, et puis vous avez dans France 24 une autre rubrique qui est intéressante, c'est élémentaire, et c'est vraiment des choses très 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 positives. J'ai vu avec ma fille l'autre jour tout un segment sur les champignons, et je vous conseille cette rubrique, elle est vraiment très bien faite. Voilà, voici des illustrations. Ni les femmes ni la terre, Chitou. Et puis, on peut continuer le débat, mais on peut aussi, voyez, les femmes sauveront-elles le monde ? Est-ce que c'est un peu excessif comme question ? On peut continuer à en parler. Il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a maintenant des festivals. Le premier festival écoféministe hein, du 29 juin 2019 et... voilà, donc c'est un débat et c'est peut-être une question qui peut toucher tout le monde, surtout si on considère l'écoféministe comme l'écoféminisme qui concerne aussi les hommes. Alors dans le débat, je propose aussi de savoir si on peut peut-être changer le terme et de peut-être pas l'appeler écoféminisme, mais éco-humanisme, ou simplement dire qu'être un être humain, c'est respecter la nature et promouvoir l'égalité et la justice, je ne sais pas. Voici donc un rappel, j'ai mis ici de nouveau les trois vidéos. Et puis, maintenant, j'ai terminé ma présentation et je vais arrêter de partager mon écran en espérant que certains d'entre vous avaient envie de partager vos mots valises. Je ne sais pas si certains ont inventé des mots. C'est votre devoir. Merci Pascal. Je crois qu'on a déjà des débats dans le chat qui vont loin de cette idée de mettre mon porte-manteau. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Je dirais que la plupart d'entre nous qui ne font pas partie de votre département n'ont jamais entendu parler de cette idée de l'écoféminisme avant cela. Mais je suis très attirée par l'idée d'essayer de limiter ces dualités. Et je crois que c'est ça, en fait, le but, et d'arriver à une sorte de pensée plus nuancée. Et j'espère que c'est ça le but aussi dans l'enseignement. Merci beaucoup. Et malheureusement, on a très peu de temps, donc je crois que s'il y a des questions, peut-être que, Pascal, tu pourrais rester. Oui, s'il y a des questions sur ça après, ce serait fabuleux. Maintenant, on va passer à comment changer le monde par l'art et les photos avec Wesley. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Ça va? Ok, super. Je vais partager mon écran. Alors, transformer la société avec des photos, un regard sur la banlieue parisienne dans le documentaire Papier École de JR.
Alors, je ne sais pas si c'est le titre officiel en français, j'ai traduit, mais c'est Paper and Glue en anglais. Alors, vous connaissez peut-être le photographe JR du film qu'il a fait avec Agnès Varda en 2015, Visage Village. Il a aussi un projet qui s'appelle Inside Out, où il stationne son camion photographique dans un lieu et les gens qui veulent participer peuvent venir on prend leur photo en gros plan et puis on l'affiche sur la façade d'un bâtiment comme ça. Donc vous avez des images du Brooklyn Museum, c'était en 2019, je crois qu'il est venu à Brooklyn. Alors, pourquoi JR? Je n'ai pas encore enseigné ce documentaire, il vient tout juste de sortir en novembre 2021. Mais il y a 3 ans, je travaillais dans un lycée catholique avec que des filles et on a regardé Visage Village ensemble. On a eu de discussions vraiment très passionnantes, très intéressantes. Donc, je pense que c'est un sujet, c'est un personnage qui plaît beaucoup aux lycéens, ou qui plaît à tout le monde. Et on peut faire beaucoup de choses avec lui. J'ai divisé cette présentation en 3 parties. Alors, je commence par qui est JR, parce que le documentaire est une très bonne façon de présenter JR en tant que personnage. Deuxième partie, l'espace urbain, Paris versus la banlieue, et puis une partie sur l'art et la technologie. Alors, je vais résumer un peu le documentaire. J'espère au moins que je vous donne envie de voir ce documentaire. Il est vraiment très intéressant. Et je vous donne quelques idées pour des discussions en classe ou quelques pistes. Okay. Et je vais vous montrer 2 clips, 2 extraits du documentaire. Alors, première partie, qui est JR? Alors, JR est né en 83 d'une mère d'origine tunisienne et d'un père européen. Il grandit dans une HLM de la banlieue ouest parisienne. En 2001, vers l'âge de 18 ans, il commence à taguer les toits, les tunnels, les murs de Paris, laissant sa signature. Ce sont des photos que j'ai prises du documentaire. Là, il est sur le toit en train de taguer un satellite disc, je ne sais pas comment dire en français. Alors, il commence par taguer, mais selon sa légende personnelle, un jour, il a trouvé un appareil photo argentique, ça veut dire pré-numérique, perdu ou abandonné à la station RER Charles de Gaulle Étoile, en attendant un ami. Alors, avec ce vieil appareil photo, il commence à documenter ses aventures de graffeur en ville. Éventuellement, il décide de coller ses photos dans le centre de Paris, dans des espaces publics, et il les encadre avec de la peinture à la bombe pour montrer que c'est de l'art, et il appelait ça une expo de rue. OK, je vais vous montrer un premier clip. OK, je reprends le PowerPoint. Malheureusement, il parle en anglais, mais il y a d'autres parties où il y a des conversations en français. Le prochain clip sera en français, mais on a déjà dit que des fois, ça peut confronter les élèves de voir quelque chose en anglais. OK. À un certain moment, JR s'aperçoit que des gens en costard s'arrêtent pour admirer ses expos de rue. Et ça m'a frappé quand il a dit ça. Donc, je pense que c'est un moment pour une réflexion avec les élèves. Et je pose la question, pourquoi est-ce que c'est important pour JR que des gens en costard dans le centre de Paris s'arrêtent pour admirer son expo? Et à ce moment-là, on pourrait parler de, pour un jeune homme de la banlieue comme JR, qui a grandi en dehors du centre de Paris, qu'est-ce que ça représente pour lui, les gens en costard? Qu'est-ce que ça représente cet homme bourgeois? Et pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être reconnu par ces gens-là? Et est-ce qu'il a quelque chose à leur dire? Est-ce qu'il a quelque chose à communiquer avec eux? Quel est le rapport entre la situation de JR en banlieue et les gens qui habitent
dans le centre de Paris. D'autres pistes d'exploitation pédagogique, ce sont juste des idées. Je me suis dit, si on donnait un appareil photo à tous les enfants de la banlieue, qu'est-ce que cela produirait? Est-ce qu'on aurait un autre JR? Ça ne coûte pas très cher, un appareil photo comme ça. On pourrait parler éventuellement du pass culture, que je trouve très intéressant. On pourrait se demander, est-ce le rôle du gouvernement de promouvoir la culture avec l'argent public? Qu'est-ce qu'un adolescent comme JR aurait fait avec 300 euros pour acheter des objets culturels? D'autres questions, une société a-t-elle besoin d'artistes? Comment est-ce qu'on devient artiste? Qui détermine qui est artiste et qui ne l'est pas? Coller des photos en public, art ou vandalisme? Et son personnage est très intéressant aussi parce qu'au début, il ne montre pas son visage parce que c'est illégal, évidemment, de coller des images dans des lieux publics, mais il continue cette performance même aujourd'hui. On ne voit pas le visage de JR. Il n'y a pas de photo de lui qui existe sur Internet. Même dans le documentaire, il y a des moments où il enlève ses lunettes. Quand il est jeune, il y a des passages et on voit son visage flou. Donc, il y a ce désir de cacher son identité. Et je trouve ça très intéressant et je pense que les élèves auraient beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un mystérieux qui ne montre pas son visage même aujourd'hui. OK. Deuxième partie, l'espace urbain, la banlieue versus Paris. Alors, JR fait la connaissance de Ladjli, un artiste cinéaste qui était aussi le fondateur de l'école Courtrajmé, c'est court-métrage en verlan, un collectif d'artistes et une école audiovisuelle qui se trouve en banlieue. Et c'est Ladjli qui fait découvrir son quartier qui s'appelle les Bosquets à JR. À l'époque, c'était la cité la plus pauvre de France, maintenant détruite. Les Bosquets, c'est aussi l'épicentre des émeutes de 2005. Si ça vous intéresse, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un film de Ladjli qui s'appelle Les Misérables sur Amazon qui traite justement des émeutes de 2005. OK. Quand JR découvre les Bosquets, il a envie de faire un projet avec eux. Alors, il commence à prendre des photos des habitants des Bosquets. Il les imprime en grand format et il les colle sur les façades des immeubles. Ils sont obligés de coller les affiches la nuit à cause de la police. Et ils vont, ça devient une activité de communauté parce qu'ils vont demander aux enfants de venir un peu faire un public, regarder le collage et pour détourner la police encore plus. Apparemment, s'il y a beaucoup d'enfants ensemble, il y a moins de risques d'être dérangé par la police. Et c'est l'Expo des Bosquets. C'est à ce moment-là que les médias découvrent JR. On a des articles de presse, France 3 vient faire un reportage et il commence à faire le buzz sur les médias sociaux. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est grâce à l'Internet et les médias sociaux, des étrangers sont venus visiter les Bosquets, ne savant pas que c'était un quartier dangereux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent dans le documentaire, ils ont fait des cartons publicitaires qu'ils ont mis dans des boutiques branchées de Paris, mais les Parisiens du centre ne voulaient pas venir au Bosquet. Ils avaient trop peur de venir, mais il y avait des étrangers qui sont venus. Donc, pour JR, son exposition a une double fonction. C'était pour les habitants de la cité, pour les valoriser, mais en même temps, il a ce désir de créer un dialogue avec les gens du centre de Paris et il souhaite vraiment qu'ils viennent voir les photos au Bosquet. Alors, les habitants des Bosquets sont très contents de se voir en photo en grand format, mais le maire porte plainte contre JR. Il est obligé de quitter la France pendant un an. Quand il revient, c'est le moment où les émeutes de 2005 éclatent.
Alors, lui, l'âge documente les émeutes en images. Il y a des agences de presse qui leur demandent de prendre des photos des jeunes en train de brûler des voitures, mais ils refusent de faire ça. Ils refusent de profiter de la situation. Et c'est à ce moment-là JR dit qu'il décide de ne pas travailler avec les organisations ni les marques. Et c'est une tradition qui continue aujourd'hui. OK, je vais vous montrer une deuxième clip. Alors, JR décide de continuer le projet des bosquets, sauf que maintenant, au lieu de coller les affiches dans la cité, on va coller les affiches dans le centre de Paris. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces photos? Qu'est-ce qui se passe? Et comme il dit dans le documentaire, le but, c'était de montrer que derrière tout ça, il y a des jeunes qui sont là, qui ont de l'humour, qui ont une bonne ambiance. Et il voulait envahir Paris avec ses portraits. Et c'est intéressant parce que le projet de JR, c'est de prendre des photos de très près. Et à l'époque, il n'a qu'un appareil de 28 mm, un objectif de 28 mm. Donc, il est obligé d'être vraiment très près pour prendre des photos. Et par rapport aux journalistes qui venaient en banlieue filmer, prendre des photos, ça me fait penser à cette scène dans le film La Haine, où les journalistes arrivent pour filmer les personnages principaux de très loin. Et JR a dit que des jeunes venaient le voir avec des objectifs brisés qu'ils avaient volés à des journalistes. Donc, il y a vraiment cette question de distance. Les journalistes qui objectifient les habitants de la banlieue et le projet de JR qui est de prendre des photos de très près, comme ça on peut même poser des questions aux photographes, et ça crée un dialogue, un échange. Oui, et il a dit que pendant les émeutes, tout le monde portait un masque pour ne pas être reconnu, et son idée c'est de montrer des visages découverts en grand format, faisant souvent des grimaces comme il fait dans cette photo-là, pour jouer un peu avec la caricature des gens de la banlieue qu'on voit dans les médias traditionnels, pour combattre l'image des habitants de la banlieue disséminée par les médias. Et en bas de la photo, il écrit le nom de la personne, l'âge de la personne et le bâtiment. Et j'aime beaucoup cette citation. On passe de quelqu'un dans les médias qui représente un effet de masse à quelqu'un à qui on peut aller sonner à sa porte. Okay? Donc, ce sont des vraies personnes qui existent en banlieue. On peut aller les voir là où ils habitent. Du coup, ils étaient plus vus pour les monstres qu'on voyait à travers les médias. OK, d'autres questions de discussion. Qui a le droit d'afficher quoi et où? Quel type de discours est privilégié en public? Est-ce que le droit d'afficher des choses en public est réservé uniquement aux grandes entreprises qui paient pour afficher des publicités? Est-ce qu'on a le droit de voir et entendre autre chose dans des espaces publics, la voix des artistes, par exemple? On n'a pas besoin d'évoquer Sartre, mais je connais un peu Sartre. Il y a une définition de l'artiste engagé que donne Sartre. L'artiste engagé occupe souvent une position privilégiée. Donc, son exemple, ce sont les philosophes du 18e siècle qui faisaient partie de la classe bourgeoise, mais qui entraient en dialogue avec les aristocrates. Et je vois JR un peu comme ça. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue, mais qui plaît non seulement aux gens de la banlieue, mais aux élites dans le centre de Paris. Et comme ça, il peut faciliter cet échange entre ces deux groupes et créer une conversation. On pourrait discuter du rôle des médias sociaux dans la dissémination de son œuvre. Comment vous expliquez le fait que des touristes étrangers venaient au Bosquet pour admirer les photos, mais les Parisiens eux-mêmes ne venaient pas? On pourrait comparer l'expo des Bosquets dans sa version originale avec le projet de mettre des portraits dans le centre de Paris. Et parlons des espaces publics,
je me suis dit, c'est un peu bizarre que je pense à Times Square et des touristes qui viennent à New York. Et quand on vient à New York, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller dans un grand square et regarder des publicités. Alors, quand on y réfléchit, ça, c'est un peu bizarre, je pense. et j'ai dit, dans une ville, quand on regarde autour de soi, on voit des marques partout, des messages. L'espace public est à tout le monde, ou devrait être à tout le monde. On a peut-être envie de voir une œuvre ou de voir quelque chose qui nous inspire. Okay? Donc, on peut avoir une discussion de qui a le droit d'afficher quoi en public. OK, dernière partie. Est-ce que je suis dans les temps? Ça va? 5 minutes? OK, dernière partie. Le documentaire est divisé en 3 parties. La première partie, il montre un projet qu'il fait avec des prisonniers en Californie. Deuxième partie, ça se passe à Paris. Troisième partie, ça se passe dans les favelas de Brésil. Donc, on peut servir des autres parties de documentaire pour la leçon, mais la partie au milieu en France, et je pense que c'est la plus intéressante. Alors, l'art et la technologie. On a déjà parlé du premier appareil photo de JR, pré-numérique, qu'il a trouvé dans le métro parisien. Là, on voit une photo de son appareil photo qui était au Brooklyn Museum. Alors, les limites de la technologie, c'est intéressant parce qu'il n'a qu'un objectif de 28 mm. Alors, il est obligé de prendre des photos de très près pour que l'image soit nette. OK? Et il continue cette tradition maintenant. Il continue à prendre des photos de très près, même s'il a un appareil photo numérique très sophistiqué. Il continue à prendre des photos de très près pour faire des collages. Okay. Alors, il se sert maintenant des logiciels de retouche. Et il continue non seulement à prendre des photos de très près, mais aussi de prendre des photos individuelles qui peuvent coller ensemble pour faire ces collages. Je vais vous montrer un exemple. Okay, ça, c'est le projet qu'il a fait avec les prisonniers en Californie. Donc, chaque individu est photographié individuellement. Et c'est après, avec le logiciel de retouche, qu'il va mettre tout le monde ensemble. Okay. Là, il y a d'autres exemples. Ça, c'est un collage qu'il a fait des habitants de la banlieue, des bosquets. Il a fait ça à New York aussi. Ça, c'était à son exposition au musée de Brooklyn. Donc, tout ça, ça fait avec un logiciel de retouche. On peut parler du fait qu'il imprime des affiches. Alors, l'imprimerie existe depuis longtemps, mais JR s'en sert autrement. Est-ce que les affiches représentent une innovation ou une continuation d'une vieille technologie? Ça, c'est un projet qu'il a fait sur la frontière entre le Texas et le Mexique. Il a pris une photo d'un bébé au Mexique. Il a imprimé en bandes, il colle les bandes ensemble pour créer ce gros bébé. Il a installé sur la frontière et des gens sont venus prendre des photos et les photos sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, on peut parler du rôle des médias sociaux dans la dissémination de son œuvre. Il utilise aussi des drones pour prendre des photos d'en haut et de très loin. Alors, on pourrait discuter de est-ce que la photo prise par la drone, est-ce que c'est une nouvelle œuvre d'art ou est-ce que c'est la même œuvre d'art ou est-ce que ça crée quelque chose de nouveau? Ça, c'est sur la frontière mexicaine aussi, à côté du bébé, il a mis une affiche des yeux qui traversait le mur. Donc, il y avait des Américains d'un côté et des Mexicains de l'autre côté. Ils ont partagé un repas ensemble. Mais la seule façon de voir une œuvre d'art comme ça, c'est de très haut. Donc, on est obligé d'utiliser le drone pour avoir cet effet-là. Même chose avec le projet, avec les prisonniers.
OK, autre point de réflexion. Jia commence par prendre des photos de très près pour combattre l'image des habitants de la banlieue disséminée par les médias, et il finit par prendre des photos de son œuvre de très loin. Alors, on pourrait discuter, est-ce que ces deux techniques ont le même effet de réunir les gens? Quelles sont les différences? Quelles sont les similarités? On pourrait parler de son camion photographique. OK. Question de discussion sur la technologie. Quel rôle joue l'œuvre de JR dans l'ère numérique? Quel effet est-ce que cela fait de voir des visages et des individus en gros plan? Aujourd'hui, c'est facile de se cacher derrière son ordinateur ou son avatar en ligne. Pardon, ce n'était pas une question. Est-ce que l'œuvre de JR nous demande de nous voir de façon plus authentique? Est-ce que la technologie aujourd'hui sert à mettre une distance entre les gens ou à rapprocher les gens? Quel rôle est-ce que les médias sociaux ont joué dans la trajectoire de JR? Comment est-ce qu'il se sert des médias sociaux pour faire connaître son œuvre? A-t-il besoin des médias sociaux pour exister? Et quelles sont les contraintes technologiques qui ont influencé l'œuvre de JR? Comment est-ce que ces projets ont changé grâce à la technologie? Est-ce que c'est parfois les contraintes qui donnent naissance à la créativité? OK, juste quelques idées. Et oui, je voulais vous donner le lien. Alors, on peut regarder Paper et Glue gratuitement sur NBC, Visage Village sur Tubi. On peut regarder son projet Inside Out. Et il y a aussi le site du musée de Brooklyn. OK? Merci Wesley. Oui, c'est incroyable ce que vous avez fait en très peu de jours, parce que je sais que vous avez fixé votre titre il y a 2 semaines, donc c'est fabuleux. Je vous remercie. Maintenant, on a tant de films à voir, on a tant de films à regarder, de courts-métrages, c'est fabuleux, de clips vidéo de YouTube. Bon. On a eu quelques discussions là dans le chat, mais je trouve que d'abord, je voudrais remercier tout le monde. Vous allez avoir accès à tout cela, à tout ce qu'on a mis sur le site web de Columbia. Je crois qu'il y avait un certain moment où vous avez cité JR en disant que l'idée, c'était peut-être d'essayer d'inspirer les gens quand ils regardaient les photos. Et puis, vous avez posé la question, est-ce que ce que fait JR, est-ce que ça nous rend une perspective plus authentique? Est-ce qu'il essaie de nous donner une perspective plus authentique sur nous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très gros fan de JR, donc moi, j'ai dit oui. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui se sert des médias sociaux. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est tellement facile de se cacher derrière la technologie. Et je pense que c'est important de concevoir le gros visage de très près. Je pense que dans le contexte de l'ère numérique, je pense que c'est une image plus authentique de la personne. Mm-hmm. On est obligé de regarder. On ne peut pas passer de côté sans avoir de réaction. Bon, on va mettre peut-être dans le chat le site web de Columbia. Fanny, est-ce que vous pourriez le faire ou Pascal? Merci beaucoup. Pascal Crépan, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous aviez à donner un autre mot pour écoféminisme, quel mot est-ce que vous donneriez? Comme je l'ai un petit peu... pour moi, c'est une réflexion que j'aimerais laisser aux étudiants. Déjà, peut-être les étudiants de l'université, peut-être qu'ils sont plus à l'aise avec des sujets comme ceci, je ne sais pas. Moi, je trouvais intéressant et je trouvais aussi intéressant d'incorporer les hommes dans la discussion de l'écoféminisme. Comme je l'ai dit, pour moi, ces catégories, je suis plus à l'aise de redéfinir ce que c'est que d'être humain et quelles sont nos valeurs.
Mais ça, c'est très philosophique et peut-être un peu trop lourd pour un cours de conversation. Mais pour moi, l'idée, c'est de les faire réfléchir et de se positionner aussi, hein, que ce soit de l'activisme ou de la politique, c'est égal. Je trouve qu'on est dans le présent, on est là, on est des êtres humains et on a des défis. Et de savoir où on en est, c'est le plus important. Oui. Et de rester à l'écoute de, okay, d'autres projets, d'autres manières de voir les choses et de penser, de réagir. Et voilà. C'est le but de notre enseignement, exactement. J'espère. Y entrer avec un esprit ouvert et d'essayer de grandir. Oui, et j'apprends aussi. Enfin, je veux dire, j'apprends aussi, mais on vit dans l'immédiateté, n'est-ce pas? Je donne aussi un cours sur le théâtre, et pour moi, le théâtre, par définition, c'est un théâtre engagé. Donc, et l'activisme, c'est quelque chose qui nous fait réaliser qu'on n'est pas tout seul. Et après, on peut avoir des idées complètement différentes et tout, pourvu qu'on les partage dans le respect, pourvu qu'on arrive à bien vivre, à vivre mieux aussi, hein. C'est intéressant parce que moi, je suis Quaker. Je ne sais pas si vous savez ça, mais vous parlez comme une Quaker. Oh. Et parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Parker Palmer qui parle de... Il a trois livres, hein, à ce sujet. Il parle du fait qu'il faut parler de « et non de « ou », hein. C'est les deux à la fois. Et je pense que quand on réagit et quand on pense que c'est toujours politique et c'est une sorte de polémique, ça, je crois que ça réduit et simplifie. Absolument. Si vous regardez ce qui s'est passé avec Greta Thunberg, déjà le fait qu'elle ait été promulguée comme une fille qui peut parler de l'écologie et tout, j'ai trouvé ça un peu choquant, mais en même temps, ce qui m'a dérangée beaucoup, c'est la manière dont les gens ont essayé de réduire son message, de la critiquer à fond. Et je me suis dit, mais toute cette énergie négative, c'est vraiment dommage, parce qu'on ne peut plus rien dire, il n'y a plus de débat, on n'ose plus rien dire parce qu'on est forcément réduit. Et pour moi, c'est le côté positif. Et l'écoféminisme, il y a des tas de projets de femmes qui sont très à même de mieux parler que moi d'écologie et tout. Mais ce qui est important, c'est que c'est dans la dernière vidéo, c'est que ce ne sont pas seulement les femmes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les hommes aussi peuvent être engagés. Et si tout le monde peut faire quelque chose, si tout le monde peut améliorer notre présence sur la Terre, c'est déjà gagné, n'est-ce pas? Et vous avez, tous les intervenants d'aujourd'hui, vous avez amélioré notre existence sur Terre après cette journée ensemble. Et je vous remercie infiniment. Merci du département de français à Columbia, de la Maison française, de tous nos participants d'être venus aujourd'hui. J'espère que vous allez revenir l'année prochaine. On a d'autres programmes. Et mettez votre email dans le chat si vous voulez venir à nos prochains programmes. Merci encore et à l'année prochaine.